Yeah, my compliment. Et bonsoir à tous et à toutes. Bonsoir. Alors, ça va? Comment ça va? Bah écoute, ça va plutôt sympa. Dis-moi, est-ce qu'on t'entend bien normalement sur le live? Je pense que oui, non? J'espère. Ouais, j'espère aussi. Bah écoute, les premiers qui vont arriver nous diront. Du coup, ce soir, c'est un Refunting, tout simplement. Donc là, ça va faire en fait une des parties de live qu'on fera peut-être régulièrement ou peut-être pas. En fait, ça dépendra de la pertinence du sujet.
Comme on voulait faire en gros, du coup, on a pensé, on a essayé de réfléchir à tout ça et on s'est dit pourquoi pas juste le mettre en milieu, c'est-à-dire samedi, mercredi, samedi pour les lives dans la programmation, histoire de ne pas faire beaucoup trop. Et Hulor avait justement fait remarquer qu'il fallait pas non plus faire à balle de live au début et puis après se tarir en contenu, sinon en fait ça risquait de traduire un mauvais message là-dessus. Est-ce que tu es d'accord avec moi, du coup, vu que c'est toi qui l'avais proposé d'ailleurs? D'ailleurs, je vais remettre un peu la musique, excuse-moi. Vas-y, dis. Tu disais, Hulor. Non, je disais, ouais, c'est tout à fait ça, parce que bon, si on envoie trop de trucs trop vite, on va vite se retrouver coincé. Et si on se retrouve coincé, on risque de faire n'importe quoi. Exact. Alors, bah pour une fois, c'est moi du coup qui ai pris les manettes du stream. C'est moi qui du coup host pour ce live de Ref Hunting. Alors, le jeu qu'on a choisi aujourd'hui, c'est Armello. Donc du coup, je sais pas si tout le monde connaît, mais je vais faire quand même vite fait un petit récap. Armello est un jeu c'est un jeu vidéo qui a été estampillé jeu de rôle et de stratégie au tour par tour. C'est notamment c'est une très grosse inspiration, voire totalement un jeu de plateau en fait. D'ailleurs, il me semble qu'ils l'ont sorti aussi en physique, en jeu de plateau. C'est développé et édité par League of Geeks. Il est sorti en 2015 sur Windows, Mac, Linux, PlayStation 4, Xbox One, Android, iOS, et il est sur Switch maintenant. C'est un jeu qui a aussi connu pas mal de DLC, qui a notamment, je crois que le dernier qui est sorti était en 2018, et je crois que c'était le Clan des Dragons. Donc, ce sont généralement des DLC qui rajoutent pas mal de clans, voire des skins de map. C'est aussi un jeu qui a des microtransactions, mais de skins généralement. Il n'y a pas de microtransactions de level up ou quoi que ce soit. Et c'est à peu près tout ce que je peux dire pour l'instant, vu que le jeu est aussi un multijoueur et solo. À moins que tu aies quelque chose à dire là-dessus, Cyril? Pardon, Hula. Juste pour corriger, le Clan des Dragons est sorti en 2019. 2019, voilà, j'étais plus sûr, je pensais que c'était 2018 ou 2017, tu vois, j'étais assez loin au final. Donc un DLC de clan, c'est 4 héros, a priori, qui sont ajoutés. D'ailleurs, je me souviens que le premier DLC qui était sorti de ce jeu, parce que moi j'y avais joué il y a longtemps en fait à sa sortie, parce que j'y avais été embrigadé par d'autres potes à moi, c'était le Clan des Bandits et j'avais trouvé la renarde assez stylée. Oui, parce que en fait, pour ceux qui ne savent pas, Armello est en fait un jeu de. Avec une DA très anthropomorphe. Donc ce Ils appellent sont. ça de la dark fantasy, dark fairy tale, je crois, un truc comme ça. Même moi je trouve que le dark n'est pas vraiment là en vrai. Parce que après, est-ce que c'est pas un abus de langage du genre oui dark parce que bon voilà, il y a un peu de corruption, il y a peut-être y a une histoire, mais c'est une histoire qui sert juste de propos pour le gameplay. Et C'est dark en ça que ouais, il y a de la corruption, il y a des plots d'assassinat, machin, tout mais il ça. faut pas le prendre non plus pour un jeu de Dark Souls, hein, en termes de DA, parce que quand on va montrer les premières images, ça va être un petit peu En vrai, bizarre. Dark Fairy Tail, ça marche assez bien, je trouve. Hein, tu trouves? Ouais, mais ça, déjà, c'est sympa, ça fait Coucou un. Malo. Je sais plus comment s'appelle cette figure de style où on oppose deux noms ensemble, mais concrètement, les Fairy Tail et le Dark qui sont censés jamais s'allier et qui se retrouvent au final dans ce style, c'est assez intéressant. Mais ça marche bien en vrai, parce que oui, c'est choupiné et en même temps, ça. C'est pas non plus parfaitement sain et propre et tout ça, quoi. D'accord. Après, Le oui, son est c'est plus meilleur. Dark Fantasy. Stylex. Ah, au fait, c'est vrai qu'on n'a pas expliqué pourquoi on fait les ref hunting. Donc ce serait pas mal qu'on commence. Et peut-être un peu fort. D'accord. Très bien. Je baisse un peu la musique. C'est la musique du jeu d'ailleurs, by the way. Donc pas de problème de copyright. On va y arriver, on va y arriver. Donc, Hulor, est-ce que tu pourrais me dire en fait comment ça se passe généralement les veilles
professionnel, en tout cas de ce que tu as pu en voir dans ton milieu? Alors déjà, moi j'ai jamais vraiment fait de veille design, parce que forcément en tant que prog on fait plus des veilles techniques, où on va essayer de pousser une technologie à bout ou quoi que ce soit. J'avais D'accord. notamment veillé Stellaris sur leur système de modding, où il y a des petites failles assez intéressantes à exploiter, mais on va pas en parler parce que je suis pas sûr que ce soit parfaitement légal. Mais du coup, oui, en fait, enfin, une veille de manière générale, c'est on va prendre un sujet, on va spécifier en fait sur un jeu donné qu'est-ce qu'on va vouloir observer et chercher à trouver soit les points de ressemblance avec le design qu'on a nous, les points de divergence, les points efficaces, donc les points où le jeu s'en sort bien en fait dans ses mécaniques, dans son design, dans son enchaînement, et les points où au contraire ça ne marche pas. Et du coup essayer d'évaluer pourquoi et comment pallier à ces problèmes s'il y a des problèmes. D'accord. Parce qu'il y a aussi quand même quelque chose qui faudrait quand même qu'on rappelle, c'est que le but aussi de ces refhunting, c'est surtout bah déjà d'essayer de voir ce qui se passe ou ce qui a déjà été fait, et aussi pour essayer de comparer un peu avec la mécanique qu'on a déjà mis en place, en tout cas pour ce qui est pour moi, pour le gameplay que j'avais imaginé à la base pour notre jeu. C'est surtout pour voir si jamais ça marche, qu'est-ce qui marche et qu'est-ce qui ne marche pas surtout, parce qu'il y a quand même quelques mécaniques chez Armello qui a été quand même assez décriée par la critique. D'ailleurs, j'en viens juste pour ça. Du coup, je suis allé faire un petit tour sur Metacritic et après, juste avant le live, je suis allé quand même vérifier ce que les gens disaient par rapport à toutes ces critiques, Ulor. Tu te souviens de cette discussion sur Discord avant le live? Donc du coup, sur Metacritics, il est noté genre 75 favorables, qui sont basés sur 26 critiques. D'accord? Et pour ce qui est des joueurs et des anonymes, c'est 7,5. D'accord? Kiff kiff au final. C'est kiff kiff, et du coup c'est plutôt bien noté. Moi je pense qu'en fait, depuis le temps que j'y ai joué, Ulor, je pense que le jeu a changé. Ouais. Où ils ont changé quelques trucs, parce qu'il y a quelques critiques que je ne retrouvais pas en fait en relançant le jeu. Donc je pense sincèrement qu'ils ont dû changer quelques points, comme par exemple cette histoire de microtransactions qu'on voit toujours, mais au final ce sont juste des skins, ça ne te fait pas aider, ça ne te fait pas aller plus loin. D'ailleurs, la version originale, comme on a vu, on va arrondir le prix, hein, parce que les prix magiques de 19,99€, ça marche pas. On va dire 20 balles directement, hein, soyons clairs. J'y crois absolument pas à ces 1% qui. À ces 1 centime, pardon, qui change tout. Donc le jeu dans sa totalité, si on prend pas par exemple t'sais, le CD musical d'Armello, il reviendrait à peu près à 60 balles. Avec les autres DLC de clan. À peu près. Donc comme on en a discuté avant, ça dépend 50 aussi. Pardon? sans soundtrack 50 Ouais, sans soundtrack. Mais je crois que le soundtrack c'était peut-être même moins en fait. Attends. Ah non, 130. parce qu'il me compte pas le prix de base du jeu. Voilà, oui, bon, c'est pour ça. 50 à peu près. 50. Du coup, il y a quand même un truc qu'il faut savoir, c'est. Je pense que c'est ça aussi qu'on n'a peut-être pas réussi à se dire avant le live. D'ailleurs, tiens, je vais peut-être mettre l'image du jeu sur le stream. On est déjà sur le. Dans le jeu, hein, on est déjà connecté. On a mis des bots parce que notre but aussi, c'est d'essayer vraiment de comparer et d'avoir le temps aussi de chercher les choses, hein, quand même. Parce que y a quand même le fait que cet argument qui revient souvent de je joue à des jeux vidéo, du coup je sais comment ils sont faits, c'est un peu le même que, comme je te disais la dernière fois, j'écoute de la musique tout le temps, du coup je sais comment c'est fait. Alors que non, en fait, ça ne fait pas toi non plus d'un musicien ou d'un développeur ou d'un écrivain ou d'un game designer et tout ça. On peut toujours avoir une vague idée de la production et tout ça, mais quand tu l'analyses pas. Tu ne te rends pas compte de certaines choses en fait. On consomme vachement jeux vidéo aujourd'hui, un peu bah, comme pour tout ce qui est artistique, musique, livres, BD, comics, j'en passe, bah, comme du popcorn en fait. Les gens s'attardent pas trop aux détails et n'analysent pas en fait ce qu'ils sont en train de bouffer.
Mais quand tu te mets de l'autre côté ou tu te mets dans la position où tu participes dans un projet pour faire un jeu vidéo, par exemple, dans notre cas, bah, du coup, maintenant, je suis obligé, par exemple, moi qui suis pas le professionnel qui bosse dans ce milieu-là entre nous deux, avec Ulor, bah, du coup, je me retrouve à devoir chercher un peu, à devoir analyser. Donc, c'est ça qui est aussi génial, c'est que pendant ce live-là, on va avoir les deux facettes de la pièce. C'est Ulor qui va nous apporter vraiment la manière pro de la chose, hein, qui va vraiment nous mettre en avant ce qui marche et ce qui ne marche pas. Bonsoir Monolith. Et moi, l'amateur, qui vais essayer de suivre le rythme, malgré qu'on ait quand même listé de ce qu'on voulait voir à peu près, hein, d'ailleurs. Donc, c'est Important d'ailleurs de lister d'abord ce qu'on veut chercher. Et ouais. typiquement, le online n'en fait pas partie, et c'est bien pour ça qu'on ne sera pas online. Voilà, le but n'étant pas d'aller faire la Ce sera bagarre. plus puissance qu'autre chose au final. De toute façon, on va réussir quand même à s'engueuler pendant la partie, hein, quand on va se faire des coups. Mais voilà. Du coup, donc voilà, c'est à peu près à quoi que ça sert, les ref hunting, c'est ça. D'accord? Du coup, on peut déjà à peu près dire ce qu'on avait la volonté d'analyser, peut-être déjà. Oui, ce sera un bon début. D'accord. Donc, déjà, Armello est un jeu avec des conditions de victoire. On a plusieurs types de victoires qu'on va voir dans le gameplay. Pas besoin de faire toute la liste, hein, parce que je pense qu'à un moment donné, vous n'allez pas trop aimer voir seulement l'écran titre du jeu pendant 5 heures non plus. Il y a l'interface d'un jeu de plateau qui combine des cartes sous le format du jeu vidéo à l'heure actuelle. Donc on va voir aussi comment c'est disposé, où est-ce qu'ils mettent les decks, parce qu'en fait il y a aussi plusieurs types de decks, hein, Ulor. Je sais pas si tu te souviens, parce que tu m'avais dit que tu en avais joué 4 heures, c'est ça? Ouais, j'ai pas beaucoup joué non plus. D'accord. Donc du coup, je te rassure, j'ai pratiquement tout oublié aussi, hein. Comme ça on va tout redécouvrir. Il y a aussi un système de pièces d'or, comme sur le système de gameplay qu'on avait présenté au tout début, là, au premier Craft and Game. Donc vu qu'il y a un système de PO, on va voir comment ça s'insère dans un jeu de plateau cartes à tuiles, parce qu'il y a des tuiles, il y a un système de tuiles. Donc on va voir aussi comment eux ils ont pensé le système de tuiles et ce qu'on peut en retirer, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui marche pas. Il y a aussi le système de sélection de héros, parce que Armello fonctionne. En fait, c'est là où ça diffère par rapport au jeu qu'on veut faire. C'est que le système de héros dans Armello, c'est t'as qu'un seul héros. T'en as pas quatre que tu envoies dans un donjon, t'en as qu'un seul et il faut que tu te démerdes avec ça. Et alors donc du coup il va avoir des stats qui va décider à peu près du nombre de cartes qu'il aura de chaque deck. Après, il y a l'organisation de l'écran, hein, l'ergonomie, la disposition, tout ça. Les tours de jeu, comment ça se passe, combien de temps on attend par tour de jeu de joueurs, qu'est-ce que, par exemple, j'ai le temps de faire avant que Ulor prenne la main, ou tout ça. Donc, les actions aussi possibles par un joueur qui peut faire peut-être dans le désordre ou dans l'ordre. Enfin, voilà, on va voir aussi comment se passe un tour de jeu. Les différents types de cartes, parce qu'il y en a dans notre jeu, là, de ce qu'on avait statué au début, Ulor, à moins que je me trompe, mais il me semble bien qu'on ait mis un système comme ça. Et l'importance de la DA, parce que moi je trouve que c'est l'alchimie qui fait que. Mais vu que la DA c'est vraiment optionnel pour le coup, là maintenant à l'heure actuelle, c'est juste bon, on peut s'attarder un peu dessus, tu vois. Juste. Parce que comme je t'avais dit par exemple sur Discord, moi, je trouve que la DA change pas mal la perception en fait que tu as du jeu en termes d'intérêt. Tu vois? C'est important, ouais. Ouais, c'est hyper important parce que moi, je trouve qu'Armello, là où ça a bien marché, parce qu'on doit quand même rappeler que quand Armello est sorti, ça a bien fonctionné quand même. Hein. Ça s'est bien vendu. Hein. Je sais pas du tout pour le coup. J'ai plus le chiffre en tête, mais oui, c'est bien vendu. Parce que je l'avais vu là aujourd'hui. Je suis un peu débile, mais en tout cas, je me souviens qu'à sa sortie, il avait fait beaucoup parler de lui. Il y avait beaucoup de streamers qui l'avaient streamé, comme notamment, je me rappelle d'ailleurs que c'est avec Zerator que j'ai découvert le jeu perso. Et franchement, la DA elle change parce qu'ils ont pris un thème un peu plus pas cartoon, je dirais peut-être même proche du Disney, mais de loin, hein, mais il y a quand même un petit air. Et alors que ce genre de jeu-là, généralement, soit c'est hyper réaliste en termes de design, ou
ça part complètement, tu sais, dans moi ce que j'appelle, alors faut pas le prendre mal, hein, mais dans le comics dégueulasse. Genre, tu sais, c'est moche intentionnellement en fait. Tu vois? Moi perso, je blaire pas ce style-là. Donc c'est peut-être pour ça aussi que je mets la notion comics dégueulasse, tu vois? Mais perso, moi ça me donne pas du tout envie quand je vois un jeu, tu sais, un peu à la Kid Paddle en termes de graphisme et tout. Moi ça me fait chier en fait. J'ai pas envie du tout d'y jouer. Donc, je sais pas pour toi, hein, d'ailleurs. Ouais, à l'inverse, c'est le réalisme que je supporte pas. Ouais, alors le hyper réalisme, moi je le trouve tellement lambda en fait dans ce genre de Ça jeu de plateforme. n'apporte pas grand-chose en fait. Ça, en fait, par définition, le réalisme n'apporte rien. Du coup, ça apporte si on veut essayer de s'approcher de la réalité, si on veut impacter comme si la personne vivait ces événements. Ça peut être intéressant, mais en dehors de ces occasions-là, le réalisme n'est pas intéressant. Exact. Du coup, bah, moi j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais impérativement voir. Il y a aussi la lisibilité de la carte. Bon, ça c'est un peu plus pour toujours de la DA, mais je voudrais quand même voir comment tu organises de l'information en fait dans l'écran, comment le joueur s'y retrouve, s'il s'y retrouve ou pas et tout ça. Par contre, il y a un truc que Armello fait et qu'on ne va pas faire dans notre jeu, c'est un système de dés. Il y a un système de dés dans le jeu là. Donc, à moins Qui est que. sympa d'ailleurs, il est sympa leur système de dés. Oui, il est plutôt sympa. Par contre, moi je trouve que ça renforce beaucoup trop le côté random. Là-dessus, si tu veux, il y a eu quand même pas mal de critiques là-dessus. Critiques, bien sûr. Ouais, Critiques. ça peut très vite être agent, ouais. Oui, Enfin, parce que en fait, toute ta stratégie tombe à l'eau à cause d'un mauvais lancer de dés. après, si je me souviens bien, il y avait quand même des trucs pour forcer un dé dans une position ou un truc comme ça. Oui, mais ça c'est des cartes, je crois, avec des équipements. Je sais plus, on verra de toute façon, on verra Oui, très vite. voilà, donc moi ce que je te propose, c'est que on en fasse une, quoi. Ouais. Du coup, c'était multijoueur qu'on avait fait, c'est ça? Non, c'était comment? Du coup, je sais pas. Je sais pas s'il veut faire. Non, c'était pas ça. Oui, alors c'est brouillon, d'accord, on sait, merci. Mais c'est juste que du coup, Désolé. multijoueur classique. Non, 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 en fait, non, ça pue. C'était pas ça. C'est du multijoueur, si tu fais une partie solo, t'as pas un truc. Ah oui, est-ce que c'est pas la partie solo? Genre Ça, tu. solo, new game ou custom game peut-être. Partie personnalisée, fais voir. Ok. Bien sûr, je suis en anglais, moi j'y Pas du tends. tout. C'était comment déjà? Oui. Tac, 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 tac. Oui, bah c'est bien. Comment c'est une partie privée? C'est quoi, Tu c'est en l'as. partie solo? Non, dans la fenêtre Ah oui, mince. de groupe. Bon, ça par contre, tu vois, je pense que c'est pas. Il faudra qu'on note ça. C'est pas. Que la lisibilité de la chose en fait. Alors, si ça se trouve, on est juste des idiots. Non, je pense qu'on a trop traîné sur le menu, donc on a oublié que c'était là. Alors, donc, moi je suis ok. Est-ce que toi tu es ok? Mon Dieu, faut dire être prêt. J'ose pas cliquer sur c'est prêt, c'est parti si t'es pas prêt. Voilà. Donc, on va faire tout en défaut parce qu'en fait le but du jeu c'est vraiment qu'on cherche la référence et pas qu'on essaye de faire des parties en mode spé. On essaye de devenir bon jeu. Donc voilà. Donc on a 57 secondes pour, enfin non 55 pour choisir notre héros. Alors perso, j'hésite entre soit prendre le loup adulte ou le lapinou. J'ai presque envie de prendre le lapinou. Alors oui parce qu'en fait ils ont tous voilà des capacités là, les combats physiques, présence d'esprit, spiritualité et or. D'ailleurs tiens je vais prendre un petit screenshot parce qu'après on va devoir aussi analyser l'écran. C'est en fait le nombre de cartes qu'ils pourront piocher. Je sais plus trop comment ça s'organise, mais en tout cas, ça part un peu là-dessus. Voilà, on va prendre celui-là. Modifier l'attirail. Je crois que c'est là. Ouais. C'est quoi? C'est incompatibilité. Ah, est-ce que tu peux choisir les. Ouais, tu peux choisir les dés aussi. On prend Les celui-là, hein. pièces que tu prends? Oui, alors c'est trop compliqué, voilà. Beaucoup Alors, trop on y va. sur calculé. C'est un Imperial Fist. Ouais,
Alors, bon, moi perso, moi je trouve que, tu vois, pour lancer une game comme ça, il faut déjà connaître bien le jeu, je pense, hein. Parce que là, par exemple, pour le coup, on a été un peu perdu. Carrément. Ça, c'est le roi fou. Est-ce qu'on entend tout sur le chat là? Oui, donc du coup, il faut choisir une quête. Ça, j'aime bien ça, tu vois, le fait que ça choisisse une quête. Du coup, toi, tu joues qui là? La chasseresse. Donc oui, donc on entend un peu moins Norslem. Ah bah tiens, comme c'est bizarre. Pour une fois que ça arrive. Parce que là, c'est un peu mieux. Normalement, ça devrait le faire. Un peu fort par rapport à Northland. Mais la musique, elle est forte, forte, forte ou Dites-moi. Là, ça va, très bien. Donc du coup, Ulor, c'est à toi. Ouais, apparemment ça va jouer. Je sais même plus où est le. Tu peux te balader hein, avec la map. Voilà, donc là du coup, tu as rencontré un péril. En effet. Parce que tu es allé sur une ruine. Alors oui, donc l'histoire c'est qu'en gros, c'est comme si tu étais loin. Ah d'accord, ok. Très bien, Malo. Merci. En fait, ce qui se passe dans l'histoire, c'est qu'en gros, chaque tour, le roi perd des PV. Perd un PV. Et ce qui se passe, c'est que quand il aura 0 PV, il y a des conditions de victoire qui vont rentrer en jeu. Mais il y a une condition de victoire où on lui pète la gueule. C'est ça en fait le truc. Donc là, bon, là, t'as eu un péril. C'est Crypt ou Trépas, voilà. C'est à moi. Lors d'une bataille équipe, en défense, vous gagnez. Hein. Allez, hop. Retirer la prime. Invoquer une pierre esprit. Alors, ça, c'est aussi une. Voilà, ça c'est les cartes qu'on a à chaque fois qu'on pioche. Donc tiens, mon perso, je vais aller par là. Moi aussi, tiens, je vais tenter un péril. J'espère que tu t'en sortiras mieux que moi. Bah j'ai eu plus de thunes. T'as pas eu de défi, rien du tout? Non, c'est juste que Ok, de tu toute penserais façon. t'aider et tout. C'est de vrai. Ah mais t'es pas le lapinou en fait. Attends, je Non, moi regarde. je suis le loup. Donc oui, donc il y a la lune, normalement là c'est. Alors voilà, ces pierres-là, il me semble qu'il faut que tu en récupères 3 ou 4 pour gagner. C'est une condition de la victoire. Ouais, c'est une condition de victoire. C'est la victoire bonne. Voilà, donc quand tu vas dans les marais, je crois que tu perds un PV. Ah, et voilà, du coup il y a une attaque. Ah oui, c'est vrai que c'est en rapide, vu que c'est des bots. Les IA, ouais, sont rapides. Alors voilà, donc quand vous mourrez là dans le jeu, en fait tu réapparais dans ton camp. En fait, dans ton campement, dans ton coin de map. Et du coup voilà. Mais en fait je suis un peu débile, du coup j'ai pas mis les attaques. T'es où? Ah voilà, oui, parce qu'en fait on peut aussi être caché en furtivité, du coup on ne voit pas sur les tuiles. Ouais, les tuiles ont des. D'ailleurs, il y a quoi là? Ça, donc ouais, ça là, les chemins là, ça nous bloque pas. Ça, ce sont des villages. Quand on va dessus, en fait, à chaque aube, c'est-à-dire à chaque jour, on gagne plus un d'or. Donc avec l'or, on peut acheter des conneries. Je sais plus, je me rappelle plus de quoi. À l'aide. Et là-dessus, là où est Ulor, par exemple, il peut soit, bah tiens, voilà, il peut soit se téléporter, ouais, te C'est une carte soigner. à téléportement. Ah, c'est ta carte, Téléta. Alors voilà, donc du coup, sélectionnez une carte pour remplir votre main. Voilà, donc en fait, on peut. C'est Animation ça du qui est un peu groupe débile. lui. 1, 4 de santé, et c'est tout. Oh putain, mais oui. En fait, voilà, oui, c'est la présence d'esprit qu'il faut augmenter pour avoir plus de cartes en main. Ça, par exemple, tu vois, moi, c'est un des trucs que je suis pas fan, en fait. Que je suis vraiment, vraiment pas fan, c'est ça.
Donc le fait d'avoir des caractéristiques un peu. Non, le fait que tu ne puisses pas. Ah voilà, c'est ça. Donc vu que j'ai 5 d'attaque, du coup j'ai 5 dés. 6 dés parce que voilà, j'ai mes spé en plus. Donc hop, on va lancer. Le Wyrm là, il va lancer aussi le fléau. Ouais, c'est dés contre dés. Ouais. Et vu que c'est moi qui ai attaqué en premier. Laminé. Ouais, mais sauf que voilà, il m'a quand même mis 3 dégâts. Parce qu'en fait, les dés te donnent aussi de la défense en fait. Du coup, je gagne un de renom, le prestige. Parce qu'il y a aussi les victoires en prestige aussi. Une victoire de prestige, une victoire de violence d'une certaine manière. Ouais, ouais. En assassinant le roi. Voilà, je me sauve un peu parce que j'avais plus de PV. Voyons voir ce que sur quoi je tombe. Ah, oh, punaise. Voilà, super. C'est ça que ça arrive, du coup c'est moi qui me fais attaquer à nouveau. Je n'aime pas, et eh oui, je n'aime pas Didengue. Est-ce que je crois qu'on peut dépenser des cartes, Ouais. Tu peux cramer des cartes pour avoir des dés en plus. Bon. Là typiquement du coup ça te donne forcément un dé de défense. Ouais. En fait non, ça crame un de mes dés pour les mettre en défense. Attends, mais à l'aide. C'est l'histoire. Ah ouais, non, c'est ça l'histoire. Voilà, coup de grâce, du coup, je vais être téléporté chez WAM. Voilà, ça, tu vois, c'est typiquement des trucs que les critiques ont fait énormément, c'est les dés. Ce qui est marrant, parce que moi, c'est ce que je trouvais vachement drôle dans le gameplay. Bah, en fait, c'est que les gens voient à force. En fait, c'est à force de jouer, excuse-moi. C'est juste qu'en gros. Ah, je suis champion de prestige, merde. Ouais, qu'il faut que je choisisse en fait un truc du jour. Donc jusqu'à la prochaine aube, le roi paiera pour chaque tour terminé prématurément à hauteur de 2 PO par point d'action restante. Un peu d'exercice, il offre 4 or au champion de prestige en échange d'une prime sur sa tête. Bon, non, alors on va faire stimulus royal. Hein. So it is. Déso, pas déso, mais j'avais pas une carte exécutée de prison. Ah oui, donc les gardes, eux, ce ne sont pas des joueurs, c'est l'IA qui le contrôle. Et attaquer en fait un garde ou entrer chez le roi, ça fait que tu baisses d'un point en prestige à chaque fois. Ouais. Ouais. Mais il y a aussi le fait que tu peux être en corruption. Le pinou il est vénère. Ouais, ouais, enfin. Dis-toi que normalement dans ce jeu-là, les rats sont ultra OP. Moi je me souvenais que c'était une horreur, c'était injouable limite. Quand t'avais un rat en face. Qu'est-ce que prendre? Voilà, y a, voilà, donc du coup, voilà, c'est, on va voir vite fait les stats. Donc du coup, il y a les stats de combat, c'est ce que vous invoquez en dés pour vous battre. Donc là, par exemple, j'ai 5, bah du coup, j'aurai 5 dés à lancer. Là, du coup, c'est le physique, bon, bah c'est vos points de vie, hein, on va pas faire long feu. Présence d'esprit, c'est le nombre de cartes que vous pouvez avoir en main. Donc, à chaque fois que c'est votre tour, vous piochez des cartes jusqu'à remplir votre main. Et pour moi, malheureusement, c'est que de 3. Donc, c'est un peu chiant parce que du coup, ça limite la chose. Parce que du coup, ça me fait partir. Soit j'essaie d'améliorer ma présence d'esprit parce que j'ai quand même un très bon stade de combat en early. Ou sinon, bah, je fais full combat. Et par contre, ça veut dire qu'il faut que je me bagarre. Et la spiritualité. Ouais, en gros, c'est une stat de magie, donc 3. Donc il y a des cartes qui ont des coûts de dépense aussi. D'accord. Donc du coup, là par exemple, j'ai que 3 en spiritualité, donc je ne pourrais utiliser que des spells qui ont 3 ou moins 3. Donc là par exemple, t'as rencontré un péril. Voilà, du coup, je peux voir ce qui se passe chez lui. Encore une fois, ça joue au dé. Voilà, donc si jamais il arrive à faire tous les symboles là. À savoir, pas là. Voilà, pas là. Bah, du coup, la carte, elle aurait pas été effective. Mais à cause de ça, bah, du coup, il perd un truc. Et les villages, en fait, à chaque fin de tour. Non, enfin, à chaque fois de ronde, en gros, tu gagnes un PO. Ouais, il faut clame le village, donc marcher dessus, et une fois qu'on l'a. Alors, donc, je vais mettre la torche.
Du coup, moi j'avais une quête, c'est aller par là. Ça m'énerve un peu. Et du coup, moi j'ai pas de village. Hashtag Farfad est déçu. Dungeon Dice Monster, sans les cartes. Oh non, punaise, j'ai l'étranger. Alors, fiche de héros, non, c'est pas ça. Tac. L'étranger, moi de ce que je me souviens, à un moment donné, parce qu'en gros, on a aussi des cartes groupes. Monster, ça me parle pas du tout. Ça te parle, Norse? Vite fait, vite fait, vite fait, vite fait, vite fait. Du coup, je vais finir mon tour là. Je te vois, t'es en train de niquer le garde. Ah non. Non, non, pas du tout. Non, non, si j'attaque le garde, je perds de prestige et tout ça. Bon, c'est chiant. Faut aimer Yu-Gi-Oh! Oui, c'est pour ça. C'est un jeu avec. Ah non! Ça me. C'était pas un épisode, je crois, dans la Yu-Gi-Oh! T, là. Je sais plus c'était quoi. Carte piège. Tout le plot de Yu-Gi-Oh! Est derrière une carte piège, de toute façon. Ah, elle a plus qu'un PV, hein, la petite lapine. Ouais, la lapine elle fait que de se friter avec tout le Ah monde. yes, elle a pris l'étranger. Parce que en fait l'étranger, ce que j'allais dire en gros, c'est qu'il te fait se déplacer lui il veut en fait. Donc c'est méga relou. Ah, tu contrôles plus tes déplacements du coup? À un moment donné, il va dire, hey, il y a quoi là-bas? Et en fait, il t'amène là-bas. Sans que t'aies rien à demander. La furtivité, tiens, ça c'est aussi une référence qu'on pourrait essayer de prendre. Parce que là, par exemple, là je suis en mode furtif. Donc si quelqu'un marche sur la tuile où je suis, ou où tu es là, parce que toi aussi visiblement t'es en furtivité, et ben je crois que t'as un avantage. Mais sans carte c'était osé, ouais il me semble. De toute façon Yugi il avait encore gagné une connerie dans le genre. Alors c'était quoi ça? C'était quelque Plus un chose. prestige par colonie acquise. Et un... Ok d'accord. Y a pas une victoire par la thune aussi? Je sais Si, plus. si, Je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça. Alors t'achètes le roi ou un truc comme ça. Voilà, que 4 trucs. Ah, tu patates le Ouais, lapin, mais je... Ouais, ouf. bah alors le lapin il part bien, il a déjà 2 en défense. Heureusement que t'as beaucoup de cas de dés. Ouais, enfin tu vas voir, je crois qu'elle va me péter la figure. Ouais, punaise, mais tu vois, ça c'est énervant. Normalement, sur le papier, je l'aurais défoncé la saloperie là. Je vais rien lui faire. Ouais, mais en même temps, elle a commencé par une défaite, donc maintenant elle est on fire quoi. Ah. A fait si mammouth. Il est bientôt mort le roi, hein. On est Mais dans la non, merde. non, attends, on a encore le temps. Ah, du coup, c'est la Lapinoute, la championne de prestige. Donc, du coup, tu Oh, reçois un génial, prestige. j'ai eu un prestige, un trésor. Ouais, alors tu vois, c'est ça, Lia aussi. Lia joue pas de façon assez. Comment dire? Très logique ou quoi. Ouais, voilà, c'est ça, ce problème. Mais c'est pour ça aussi, tu vois, que c'était pensé aussi pour faire vraiment en ligne. Parce que je pense qu'il Ah, y il avait faut ça aussi. vraiment avoir que des joueurs, quoi. Oui, non, mais on est d'accord, Malo. Depuis quand un lapin gagne contre un loup là? Ça dépend si le loup il a plus qu'une patte. Non, mais là il avait pas Ouais, qu'une patte! normalement. Il était en pleine santé! C'est pas normal! Il avait l'air un peu dorbulé quand même. Hein. Eh oh! Est-ce que tu restes poli avec moi s'il te plaît? Ah oui, c'est bien ça. Tu vois, moi c'est Bon. aussi un des trucs, tu vois, que je pourrais essayer. Comment dire? J'ai l'impression qu'en fait ce jeu, alors on peut le prendre comme une critique négative, Ah comme mais constructive, c'est cursed, ouais. c'est que moi je trouve qu'il essaie de trop mélanger tous les aspects du jeu de plateau, avec les cartes, les tuiles, les dés, tu vois les tours par tour. Enfin après, il y a tout un truc. En fait, je pense qu'il y a quand même eu une espèce de, on a trop mis de complexité là où il n'y en avait peut-être pas besoin. Par exemple, tu vois là, le coup là des. Ils ont fait des cartes équipement, ils ont fait des cartes machin pour améliorer ta défense, ton attaque et tout le bordel.
Mais ça se décide quand même au dé. Donc tu te demandes à un moment donné, mais quel est l'intérêt? Parce que je me souviens maintenant. Les loups multipasses. Je me souviens maintenant que. Mais merde alors. Mais tu m'écoutes ou pas en fait? T'as trouvé 4 gold, c'est bon! Ouais, mais j'ai raté le péril encore une fois. Je rate tous mes périls, je prends des risques et puis voilà quoi. Bah bravo! Ah bah toi au moins t'es pas morte contre un lapin de. Tu disais quoi? Ouais. Ça va, ça va, ça va, ça va. À l'aide. C'est à toi de jouer là du coup? Ouais. Je sais un peu comment ce qui se passe. Il te met pas tout seul dessus, c'est un peu con. Allez, super. Oh. Donc. On peut pas les péter, ça. Genre si je te latte, je les récupère ou pas les non, pierres? Non. Ah oui, je sais. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Bah rien, en fait, à chaque nuit, il essaie de zoulouter un endroit. Non! Non! Le garde, il a pris. Mais pourquoi j'ai pas mis ça? Cinquième élément. Cinquième élément. Il y passe. Yes. Bah du coup j'ai oublié ce que je disais avant. Ah oui. En fait, je trouve ça dommage. Par exemple, tu vois, genre ils ont des cartes. Oh, je vais me faire défoncer. En fait, si tu veux, ils ont des cartes équipement, mais tout va se décider quand même au dé. Et ça, moi, je trouve ça un petit peu bah, chiant, en fait. Ça fait trop du random là où il n'y en avait peut-être pas besoin. Bah, je suis pas d'accord, hein. Enfin, parce que sinon, tu fais quoi? Tu fais juste les perks Oui, t'as des cartes équipement pour t'équiper en fonction de, je sais pas, moi. Justement, ça peut être. Ça peut être une carte qui fait que bah tu peux te rajouter des dés pour voir jamais genre tu peux pas améliorer tes dégâts ou quoi tu vois. Du coup normalement vous êtes entretués là. Ouais. Mais bah après le truc c'est qu'il n'y a pas forcément beaucoup de cartes non plus d'amélioration. Hein. Bah il y a toute une. Mec, il y a tout un deck, c'est des cartes équipement hein, Ulor. C'est que ça, hein. C'est les decks équipement. Ouais mais tu vois le peu de cartes que tu prends. Oui, ça tue pas, tu vois. Bah non, justement, tu peux essayer d'améliorer justement ta présence d'esprit, je crois que ça s'appelle. Voilà, pour améliorer le nombre de cartes que tu as en main. Par exemple, il y a un personnage qui ne joue que comme ça. C'est du jeu, c'est pas tout le jeu. Quand même. Bah non, tu l'as dit, hein, c'est je sais plus quelle compétence qui te permet ça. C'est une caractéristique, c'est tout. C'est une manière de jouer, c'est pas la seule. Et dans ce cas-là, bah, si tu joues comme ça, tu peux jouer qu'avec que des cartes, et comme ça, tes dés, ils sont... Il y a juste un personnage qui favorise ça, c'est le lapin en armure, là. Ah, voilà, ouais. En gros, voilà. Là, quand t'as un espèce de verre, là, sur ton perso, en gros, quand tu rencontres un fléau, ça lui rajoute un dé, en plus. Parce que ce serait dommage, tu vois, que t'aies une chance au début. Mais moi, tu vois, moi, je suis pas d'accord. Moi, je trouve qu'il y a trop de random. Et d'ailleurs, c'est une des choses que les gens reprochent chez le plus, en fait, que ça randomisait beaucoup trop les trucs. Bah, le truc, c'est que quoi qu'il arrive, même avec des cartes, t'auras du random. Hein. Oui, mais si tu veux, c'est un random chiffré où tu peux te rendre compte que, bah oui, la situation est possible. C'est un random chiffré. Non mais les dés mec, il y a des dés qui se pètent parce que bah tu ne peux pas y aller et tout ça. Enfin, je veux dire, comment dire? Attends, excuse-moi. Attends, voilà, je vais faire ça. Donc je peux plus rien faire là maintenant. Moins que. Voilà. Donc, non, mais si tu veux, en fait, les dés, il y a un système où je suis pas méga pour. C'est parce que les dés se pètent, en fait. T'es pas obligé de. Mince, comment je pourrais expliquer ça de façon claire? Les dés, c'est pas juste défense ou attaque. Avec Ah non, t'es pas obligé parce qu'il y a des dés qui s'effacent parce que t'as choisi la mauvaise place. Oui.
Tu veux, moi je trouve ça un peu dommage, tu vois. Bah, je sais pas, franchement, je. Putain, il a foutu une. Je les ai pris sur moi. Mais... T'as le nombre de cartes qu'elle a pioché, elle aussi. Ah mince, il faut que je sélectionne une 4, oui, quand tu finis un truc. Putain, j'ai qu'une seule carte à prendre, putain. Là par exemple, si un des personnages te tue, je crois qu'il a une, il a une récompense, c'est 2 ors et 1 point de prestige. C'est quoi le 8? Le 8. 8, je sais pas ce que c'est. Oh, je sais pas de quoi tu parles. Vu que t'as mis le jeu en anglais, moi je l'ai mis en français donc. C'est pour réduire la difficulté des périls. Ah d'accord. C'est une carte là en gros que t'essayais de lire, c'est ça? Non non, c'est une caractéristique. Mais ouais, enfin j'essayais de lire une carte à la base, mais. Après, moi la disposition des cartes, comment ils sont mis, je les trouve pas dégueu en vrai. Ça marche bien, mais alors le truc en bas, je sais pas trop quoi il sert. C'est pour te rappeler ce qui se passe. Quoi. Attends. Alors. Ah, mais oui, mais ça, c'est une carte du coup que je pourrais pas invoquer. D'accord. Pourquoi? Parce que j'ai pas. J'ai pas le truc. J'ai plus de thunes. Parce que j'aime la thunes. Mais alors les PO j'en ai plein mais je sais pas comment je les ai récupérés. Ah oui, c'était dans les périls. Voilà, les périls, les trucs. Mais parce que je crois qu'en fait les cartes que tu joues, t'en as en gros qui vont dépenser des pièces d'or en fait pour être utilisées. Ouais, alors, on est 6 du coup là, un coup comme ça. J'essaie de revoir la liste de ce qu'on a. Y a quoi d'autre qu'on pourrait essayer de voir là? Parce que, en fait, les tuiles qui sont ouvertes, en fait, on n'a pas beaucoup parlé des tuiles, mais du coup, les marais t'infligent un point de dégâts. Les ruines, en gros, ça te. Soit tu découvres un trésor, soit tu invoques un espèce de fléau. Soit t'as aussi les montagnes. En gros, tu perds un point de déplacement. D'ailleurs, c'est où ce point de déplacement là? Je crois que c'est... Ah oui, voilà, c'est les points d'action, donc t'en as 3. En gros, voilà, c'est le nombre d'actions que tu peux faire en un tour. Toi, t'en as 3 en tout cas. Elle a combien de PA? Est-ce que c'est. C'est ça aussi, tu vois, que je me demande. C'est... Est-ce que c'est. Tout le monde a que 3 de PA ou c'est encore une autre stat à améliorer? Parce qu'il y a aussi ça, aussi le fait de balance du jeu. Quoi. Des caractères, enfin des persos. Hein. Parce que ce qui me semble, c'est que les loups, dans les 4. Dans les 4 races. Enfin, clans, pardon. Parce qu'ils appellent ça clan. Présents dans le jeu, c'est les plus. On va dire, moitié combat, moitié exploration. Je sais qu'on n'a pas autant de problèmes pour aller dans les montagnes que les autres. Et. Comment dire. Les rats, eux, c'est eux qui font le plus de thunes. Donc ils gagnent généralement soit en prestige, soit en faisant des filous. T'as les ours, eux, c'est vraiment plus magie. Et les lapins, eux, c'est clairement soit des explorateurs, soit c'est des machins qui s'équipent. Yes. Oui, vu que c'est toi qui a infligé le plus de dégâts, du coup c'est considéré comme toi t'as gagné le combat, du coup le perso recule. Je l'ai repoussé. Ouais. Là du coup il te reste un PA. Oui, bah je suis pas très arrangé là. Ah bah ça.
Il y a quoi d'autre aussi qu'on pourrait voir? Oui, donc du coup, il y a aussi l'effet random hein, de périple qui se met. Je devais avoir un flashback de l'autre Lord of the Ring tirage. Ah oui, très bon jeu. Paf. Oui, il était sympa le tour par tour du tirage. On discutait il y a pas longtemps avec un pote, et il me disait qu'il connaissait pas. Je crois qu'il a pas été très connu ce jeu. Bon, allez, on va essayer au dé, hein. Sinon, c'est voler un partisan. Le partisan, c'est à peu près comme les. Est-ce que j'ai le dé? Mais il était vraiment sympa, hein, franchement. C'est assez unique en son genre. Vu le nombre de jeux Lord of the Ring en plus, c'est assez difficile de se démarquer. Exact. Il va bientôt mourir. Ah non, il reste encore 4 tours, quoi. Ouais, 4. exact. Pourquoi là t'es mort? Ah, c'est vrai que j'ai une bounty. C'est qui le plus prestigieux? C'est toi maintenant? Ouais, exact, Ylor. Voyons voir. Let my rule be heard. Tu vois, moi j'aurais bien aimé plus de précision sur certaines cartes, parce que là, pour le coup, ça me disait pas sur combien de tuiles et tout ça. Ça. Alors moi, c'est un truc que je me souviens, c'est que les cartes n'étaient pas forcément très très détaillées. En fait, Bon, c'est en ça carte de. aussi qu'il faut qu'on fasse gaffe. C'est ce qu'on met sur les cartes, en fait, ce qu'on veut essayer d'exprimer ou quoi, parce que. Bon, il y en a des très clairs, genre les deux or. On va voir le combat parce que. Je suis en train de me faire friter la gueule. Ah ouais, tu te frites la gueule avec Miss Ambre. J'espère que tu connaîtras la même connerie que j'ai connue. Oh, elle va me laminer la gueule là. Ouais, bah bienvenue dans mon monde. Oh la vache, le nombre de défenses! Ah, je passe pas la défense là, il me faut de la défense, c'est tout. Pour résister. Ah, t'auras pas assez. Ça marche pas, ça marche pas. Tu vas rien lui faire en plus. Ah. Ah, est-ce que ça va Pourquoi continuer? j'ai autant de dés? Pourquoi j'ai autant de dés? Parce que y a des dés qui font relancer je voudrais pas dire, mais toi t'as un arc, elle a un ombrelle. Hein. Tu comprends du coup mon désarroi quand je me suis fait J'ai quoi? laminer. C'est toute sa défense. Mais non, parce que de toute façon, au prochain combat, J'ai pas pu le foutre un coup, mais j'ai pété la défense. Je vais péter les genoux. Vu que ça comptait une histoire avec des personnages annexes souvent inexistants dans le monde de Tolkien. Ouais, c'était vraiment l'aspect sympa du tirage. Mais ça suivait quand même de près je crois, plus ou moins l'histoire de la communauté. De pas très loin. Je prends des screens. Hein. Parce que après aussi dans les ref hunting, on va aussi analyser les screens qu'on a. Hein. Typiquement. Vous avez rien vu. Le chat, vous avez rien vu. Voler deux cartes dans la main de la cible. Le mec qui fait des périls. Ouais, voilà, je faisais des Tu vois, ces trucs-là, je les ai tous foirés. Bah, pareil, pour À l'instant, chaque fois, pareil. je les ai foirés, et pourtant, j'avais genre 5 dés à lancer ou des trucs comme ça. C'est super chaud en vrai. Ouais, c'est vrai. Bah, écoute, enjoy ma carte. Hein. C'est bon. Il t'a volé Oui, tes il m'a volé mes bonbons. Salon. Salon. Le mec est en train de me voler tous mes villages là. Eh oh! On se calme, hein. On vole tous mes villages. On va faire ça. Alors, il me semble, soit tu peux gagner du coup les conditions de victoire. Dans ce jeu, c'est soit tu as les pierres de la destinée, ce truc que je peux pas utiliser parce que ça coûte trop cher. Comment ça? Cristallisation, c'est ça? Elle m'a tout volé! Mais elle commence à m'emmerder, hein, cette lapine! Hein. Ouais, moi aussi, elle m'emmerde là. Vas-y, viens, on la prend dans un coin là et on lui montre c'est qui les loups. Putain.
Je peux rien faire, c'est accablant. C'est accablant, hein. Ah ouais, d'accord, ok, donc il est protégé, ce village, c'est ça? Annexé par The Shah. Oui, donc. Il y a quand même. Enfin, je sais pas, il y a. Donc du coup, il y a les conditions de victoire. Soit on lui pète la gueule au roi, hein, qui se trouve toujours dans son châtal, qui est tout moribond là. J'adore par contre le design des armures du clan royal, là, enfin des gardes royaux, là, des yinches là. Il y a aussi donc du coup les cristaux, je sais pas combien on peut. Je sais même pas retrouver où est-ce qu'on voit combien on en a. Ah oui, c'est ici. Il en faut 4 pour nettoyer le roi. C'est ça, hein. Voilà, donc quand on remplace un équipement, en fait, ça nous enlève l'ancien équipement. Hop, je vais me mettre là. Donc voilà, une montagne par exemple m'a fait dépenser 2 points d'action juste pour y passer. Donc je crois qu'en fait c'est juste ta louve à toi qui peut passer Non, moi j'ai un équipement, je crois, qui permet de passer les montagnes sans pénalité. Ok, on s'excuse, hein. Attends, t'as encore une pierre? Je peux tout t'expliquer. Tiens. D'ailleurs, je me souviens d'une des critiques qu'il y avait eu, c'était genre, oui, c'est le Game of Thrones de machin, parce que tu sais, il est sorti quand même pendant la vibe, genre, ouais, Game of Thrones, ouais, comme ça, là. I grow tired of my old declaration. Oh, c'est toi le prestigieux. J'ai de l'or, je sais pas encore en faire. T'inquiète. Ça ne sert à rien. Ah là, on m'a taxé de la thune. Pourquoi on m'a taxé de la thune? Parce que c'était soit ça, soit t'étais empoisonné. Ah, c'est la carte que t'as choisie du coup? Ouais. Ok. Sinon t'étais empoisonné, genre Mortibus Minus in the Nightus. Et alors du coup le roi c'est quand même un boss qui fait excessivement mal, hein. Je tiens à le dire. Donc faut pas y aller en se disant ça c'est le fight, quoi. Ouais, genre ça y est, il a 2 PV, pop hop. Ouais, donc la caractéristique de fight c'est le nombre de dés que t'as en bataille. Ouais. Le body c'est le nombre de points de victoire. La wit c'est donc la spiritualité, c'est la carte, le nombre de cartes, ouais. Sa présence d'esprit. L'esprit, ça sert à rien. De quoi, la spiritualité? Si, en fait, c'est ton nombre de points de magie. Ouais. Là, ça sert à quoi? Ouais, c'est pour les cartes qui a besoin de. Voilà, c'est ça. Parce que, en gros, chaque carte a un coût. Ça aussi, on peut aussi le mettre un peu plus en avant. T'as récupéré une pierre, toi. Ouais, t'en as 2, et après tu dis oui, pourquoi c'est toi qui as tout, machin et tout. Ah oui, c'est mon objectif. Une espèce de gros faquin là. Parce que d'ailleurs, les pierres, c'est pas parce que tu les as dans la pocket que tout se passe bien. Parce que maintenant, du coup, il va falloir que tu. Quand on aura 3, je crois, il faut que tu les amènes au roi et que tu lui dises non, guéris, s'il te plaît, fais pas chier. Tu vois, et du coup, oui, après. Là c'est mort en vrai, je crois. En avoir encore 2 et aller voir le roi, il va falloir sortir tôt. Hein. Mais celle-là, c'est la condition de victoire que j'ai jamais réussi à avoir. Alors moi, j'ai réussi une fois. Super long. Allez, on va essayer ça. Ah, ils ont changé l'animation du coup de ça, parce que normalement c'était. Hop, et merde. C'était fort, hein. Ouais, j'ai pris un point de dégâts, mais j'ai gagné en prestigieuse prestige. Ah, tu vas bientôt mourir, c'est bon ça. Eh où? Comment ça? On va essayer de choper un autre truc. Donne une pierre. Un compagnon. Groupe mineur dans les montagnes, un or. Allez hop. Il y a une montagne juste à côté, ça tombe bien. Ah non, pas y passer parce que j'avais pas assez de pierres. Tac tac. Tu vois là par exemple, tu vois, on peut pas se discard des cartes qu'on a dans la main. Il faut qu'on trouve un moyen pour. Tu vois ce que je veux dire? Ouais. Tiens d'ailleurs, attends, juste un truc. Personne a, évidemment. Donc, je crois. Par contre, j'ai plus qu'un PV donc.
le risque de me faire défoncer la figure. Oh. Ah oui, ça donne de la résistance d'être sur les montagnes. Enfin, en tout cas à lui. Oui, dans les montagnes, je crois que tu gagnes. Je... Ah bah d'accord, ok. Enfin, mais il n'y a pas un film en préparation sur le Silmarillion? Je sais pas du tout. C'était une série, Mono, c'est pas un film, c'est une série. C'est une série? Ouais, et Amazon Prime. Donc t'es en furtivité furtive, tu vas essayer de m'attaquer, espèce de confaquin. Voilà, donc là par exemple, là il y a mon endroit de quête. C'est là où il faut que j'aille pour remplir mes quêtes. Ça aussi, tu vois, le système de quête, je la trouve pas dégueu. Dans le sens où ça te force à te déplacer sur les tuiles et tout ça. Je pense que ce serait pas inintéressant. Ouais, ça force un peu le côté. Ouais. Le fait de pouvoir avancer un peu. C'est ça. Parce que. Allez, ça se tente. Éclair foudroyant. Allez, c'est bon, on va m'intéresser. Putain. Ah non. 50D, ça marche toujours pas, quoi. Ah, là, tu vois, du coup, tu commences à comprendre pourquoi les gens, ils sont pas hyper fans de ce système-là, aussi. Ouais, non, mais je me souviens bien que c'était assez casse-couille, hein, mais c'est... Moi, à un moment donné, il me faut... Ouais, en vrai, c'est peut-être le truc de, des cartes que tu peux pas discard qui est... Ouais, c'est ça, hein. Qui est merde, hein. Alors, on va essayer de se cacher, vu que c'est la nuit. On peut faire. Alors le système jour et nuit est pas mal. Comment ça ouais, j'ai péri sympa. Ah oui, parce que vu que j'ai un de corruption, le MDR je peux pas, c'est ça? T'as de corruption? Oui, j'avais un point de corruption vu que je suis mort une fois contre les piafs là. Un peu plus de sympathie. Je n'ai pas entendu de film depuis 2017. Le film Seigneur des Anneaux spécifiquement. Hop, ça y est, le lapin il a perdu tous ses points de redon. Je suis content. Ouf, mort. Ouais, parce qu'en fait, en gros, j'ai fait que les. Maintenant, du coup, t'approches pas trop des gardes hein, parce qu'ils vont essayer de te casser la figure. Ouais, j'ai vite fait entendu parler de ça, toi. J'ai vite fait entendu parler de ça. En fait, tu vois, cette attaque de... En fait, vu que tu as t'as quand même plusieurs formes d'attaque contre les joueurs... Saboter, mais alors j'ai pas compris ce qui s'est passé. Fake saboteur. C'est quoi l'explode poule? Mais quoi? Genre la carte qui m'a mis, j'ai pas compris ce que c'était. Je n'ai pas de visu sur ta carte. Alors, du coup, non, mais t'as... non mais tu sais, il a joué un sabotage sur moi. Ah. Je sais pas ce que c'est. Je sais pas si tu l'as, si tu peux remonter le fil par là-bas. Saboteur. Ah si. La réserve d'explosion de la cible tombe à zéro. C'est quoi la réserve d'explosion? Ah oui, c'est quand les dés en fait, quand t'as... voilà, ça c'est aussi un des termes. Pourquoi il le rappelle pas? L'explosion. En gros, c'est les dés qui explosent quand tu les joues là. Tu sais, quand tu les lances, ils explosent parce que, en gros, bah, t'as le bon symbole, machin. Genre, par exemple, si jamais il fait jour et que c'est un soleil, bah, du coup, ça explose. Du coup, ça te donne un autre. C'est Donjons et Dragons version Michael Bay, quoi. Ouais, c'est ça. En gros, ça te donne un autre lancer de dés sympatoque dans l'MDR, tu vois. C'est ça que ça fait. Qu'est-ce que c'est? C'est bien ça. Ouais, c'est plutôt pas mal. On va rien faire pour le moment. Parce que le problème, c'est voilà, c'est tu vois, tu peux pas switch tes équipements, à moins que tu sois le lapin. Donc, du coup, c'est chiant.
qu'en fait, ce qui manque dans le jeu, c'est du deck building. C'est ça. On peut pas spécialiser nos decks, donc... typiquement, là, j'ai plein de pièces d'or, je sais pas quoi en foutre, parce que j'ai aucune carte qui sert de pièce. Bah, il faudrait que tu prennes les malices, là, les cartes rouges. Ou les cartes équipées. C'est ça que ça sert. Allez, le lapin, là. Et bim! T'es Mortibus Minus, merci. Mais par contre, elle tue tous les gardes, elle, hein, avec son ombrelle. Ouais, c'est l'ombrelle de la mort. Hein. Mais c'est l'ombrelle de la muerte, là. Qu'est-ce qui se passe? Je me touche. Mais d'où? Tu tout, c'est incroyable. Mais incroyable du cul, monsieur Potter. Mais voilà, oui, le terme de deck building, en fait, je suis d'accord et pas d'accord en même temps, parce que vu que tu peux quand même choisir le type de deck sur lequel tu vas piocher, ça fait que tu peux essayer d'orienter un peu ton gameplay vers quelque chose. Étant donné que t'es limité avec des cartes et que tu... et que tu peux pas discard des cartes, bah, au final, tu peux pas vraiment décider de ce que tu veux, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ah ouais, bah en vrai, je peux comprendre, mais après, si tu veux, il y a eu quand même un souci d'équilibrage, tu sais, avec quelques trucs qui pourraient améliorer certaines stats pour que tu aies plus de cartes dans les mains ou des trucs comme ça. Mais il y a aussi. Mais y a, tu vois, voilà, c'est là où on peut peut-être être pas d'accord sur le fait que pour toi, tu vois, y a le deck building n'est pas assez présent. Comme moi, je peux trouver que. Ouais, mais tu vois, si tu pouvais setup un deck building, tu pourrais setup le nombre de cartes qui seraient de type fight, le nombre de cartes de défense, machin, tout ça, que tu pourrais utiliser en combat. Tu pourrais pallier le problème des dés, tu vois. Ah ouais, mais moi par exemple, tu vois, moi mon problème par exemple, tu vois, c'est le fait du random au niveau des attaques et tout ça, tu vois. Ça, tu vois, c'est ça pour moi, tu vois, c'est un problème, pour toi ça l'est pas. Et pour moi, le deck building n'est pas si problématique que ça, et pourtant, pour toi, il l'est, tu vois. Bah, là, tu vois, toutes les cartes que j'ai, je peux pas m'en servir. Toutes celles que j'ai, ouais, ça par contre, du jeu, je peux pas m'en servir, donc je suis désolé, le problème, c'est le deck building, pour moi. Allez, boum, va-t'en le lapin. Il l'a fait. Il l'a fait. Mais ouais, non, mais là, oui, dans ce cas-là, oui, là, je comprends tout à fait. Tu l'as eu? Ouais, je vais défoncer sa maman. Naled, H du combat. Moins de 2 de santé, alors on s'en fiche, on essaye. Et voilà, la roulette russe, hein. C'est clairement la roulette russe, on est d'accord. Yes! This is the ah win. Oui, bah, j'ai tenté un truc, moi je l'ai pas eu. Donc, Samurai Warrior, Okuni. Tu peux pas le tuer en fait, le truc, tu. En fait, le jeu, c'est un peu Casino Simulator. Ah, mais clairement. On va essayer d'attaquer ses... Je suis sûr que cette lapine s'appelle Okuni. Oui, alors moi, j'ai pas la référence. Perso. Bon, normalement, c'est le dernier tour. Soit on l'attaque, soit on le soigne, soit ça gagne au prestige. Moi je suis bien. Oh, moi j'ai perdu là. Vu que j'ai rien pu faire de ma game. Tous les héros, fléaux et gars, voyons. Alors le système de. Tu sais, genre du champion qui choisit un décret à la fin. Je sais pas. Oh, je trouve ça sympa. Hein. Ouais, je trouve ça sympa aussi. Des gens avec une ombrelle. Ah ouais, d'accord. Je vois que c'est un thème. Moi. Mais ouais, tu vois, typiquement, le truc qui m'arrive à chaque fois dans le jeu, c'est que je me donne un objectif, genre je vais gagner comme ça. Ouais. Et je me tape tous les événements qui vont pas. Oui, t'as coup, je peux rien faire en fait. Genre mes quêtes sont à l'autre bout du monde, je peux pas y aller pendant 3 tours. Je me fais défoncer la gueule en chemin, du coup je repars de zéro. Donc là, typiquement, je viens de finir ma deuxième quête. Hein. D'accord. Parce qu'elle était à l'autre bout de mon campement de base, tu vois. Ouais, c'est clair. Je peux même pas dire, bah non, je veux changer de quête parce que celle-là, elle est pétée du cul.
C'est vrai que ça, c'est un problème des quêtes situationnelles. Mais après, pour te conforter un peu dans l'idée, on est tous un peu comme ça. Moi, mes quêtes sont toujours à l'opposé. Il faut toujours que Ouais, mais tu vois, c'est ça qui est con, c'est que t'as un système de quête qui est intéressant, qui te porte un peu à te déplacer. Mais en fait, t'as presque envie de pas le suivre. C'est ça. Et de juste jouer le prestige et puis de gagner au prestige. Au final, tu tombes toujours là-dedans, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Ouais, non, je vais faire ça. Eh ben, ça va encore se foirer, ça. Ça va se foirer un peu beaucoup. Oh, Oh, putain! génial, Oh, hé! il réussit! Incroyable! Et tu vois, pourtant, c'est que 3D. Et par contre, t'as une. À chaque fois, c'est la demeure juste pour essayer de niquer le périple, tu vois. Ouais. Je trouve ça bizarre, en fait, sur certains points. Bah, les périls, je trouve qu'ils sont mal équilibrés un peu, mais Du coup, qu'est-ce que je peux essayer de faire? Soit je l'attaque. Il nique la gueule des gens avec une ombrelle. Je suis Dans pas sûr. Samouraï, voilà. C'est Ah une mince, ombrelle. je voulais pas attaquer. En plus, je l'ai pimpé, je lui ai donné plus un de fight, je crois. Allez. Tant mieux le nombre de trucs là, oh. Ah, j'espérais qu'elle t'attaque aussi, donc. Eh, c'est quoi ça? Parce que la Oh RNG est un GPL. la vache, de cartes qu'elle a! Enfin, de cartes de dés qu'elle balance, quoi. Vous allez vous entretuer, quoi. Ouais, grave, c'est ça, c'était ça. Parce que t'as pas assez de défense non plus, elle va percer la défense, vous allez tous les deux mourir. Non, je crois que je survis en fait. Ouais? Ouais, je survis. Point. Oh, stylé, il te reste un point de vie, quoi. Bon, par contre, faudrait peut-être que je me Je te fais casse. gagner une merde. Attends, faut que je me casse. Je vais me faire En marabouter, faut que je plus, me elle risque casse. pas loin, hein. Tu feras attention. C'est pour ça. Alors pour le coup, tu vois, l'idée des points de spawn, je suis pas. T'es pas hyper d'accord. C'est pas que je suis pas hyper d'accord, je trouve que c'est vachement handicapant. D'accord. Tu vois, genre, tu commences à un endroit, tes quêtes elles sont à l'autre bout, bah t'es niqué en fait. Tu vois. Essayer. Normalement, ça devrait passer vu que je me suis build un peu plus combat. Il me fait un dégât en plus, je suis mort. Non. Ok. Ça passe. Ça passe. Oh là, j'en ai du prestige. Oh. Ouais. Je crois que j'en ai 9, un truc comme ça. Ouais, c'est ça. Elle va Tu feras m'attaquer attention, il y a l'épinou qui vient te dessus. Ouais, ramasser mais la allez, je gueule. pense qu'elle va m'ombrer la figure. Ah non, pas passé. Ah, par contre, il la rate. Alors, double attaque en bouche là. Par contre, il a toujours plus de dés que moi. Ah, mais ça, c'est la rate. Ça, par contre, cherche On pas. est Les bon, rats sont on peut pas pétés. utiliser nos cartes en fait. Voilà. C'est rigolo. Vache. Tu vois, moi je trouve quand même frustrant ce système de combat. Bah, je sais pas en fait si le problème c'est les dés ou le nombre de dés ou alors le nombre de faces, tu sais. Ouais. Pour moi, il y a un truc qui va pas, mais alors c'est pas forcément les dés, tu vois. C'est pas Après, c'est un forcément le nombre de équilibrage, faces, tu je vois. suis d'accord. Je suis d'accord que ça chercherait plus un équilibrage, Tu toi. vois, là, typiquement, tu vois, t'es en combat contre un mec, t'as 4 dés, enfin moi j'en avais 5, un truc comme ça. Ouais. Lui, il arrive avec 18 dés, quoi. Et là, tu fais, mais il y a peut-être un truc qui va pas en fait. Ouais, non, c'est À ce clair. moment-là, uniquement à ce moment-là, tu Je sais pas. Tu vois, moi, il y a un tout en fait. Moi, j'ai l'impression que ce jeu, en termes d'équilibrage et de gameplay, moi, je pense qu'il
gagnerait en fait à ce qu'il revoit un peu sa copie en termes d'équilibrage du moins. Parce que quand c'est bien foutu, enfin en vrai il suffirait de peu en fait. C'est vraiment l'équilibrage en termes de stats, de combat. Quel plaisir. C'est Quel ça. plaisir, putain. J'ai encore foiré ma maquette. C'est le truc des roulettes là. J'ai encore pris le truc qu'il fallait pas. Ouais. Et parce que bah t'as une chance sur 18 de tomber sur le truc qu'il faut quoi. Après, ce que tu obtiens généralement, c'est assez stylé. Mais tu vois, avant, c'était moins difficile. Tu vois, c'était fait par probabilité, je crois. Un truc comme ça. Avant, je me rappelle plus trop comment c'était. Mais c'était pas en forme de roulette qui tournait. Avant, je crois que t'avais juste. Ouais, bah, c'est comme là, t'as actuellement aussi, hein. C'est genre, t'as un pourcentage de chance de succès. Mais. Qu'est-ce que si je fais ça? Mais tu vois, il y a aussi un autre truc qu'il faut se dire, c'est que quand tu vois, tu joues par exemple dans un jeu comme Dark Souls, je sais, c'est carrément aux antipodes, mais y a un propos derrière. Quand tu joues à un jeu comme dans Dark Souls, quand tu te fais niquer ou quand tu te fais taper, bah c'est comment dire, C'est ta faute. c'est ta faute et ton skill, tu vois. Genre tu peux encore retrouver là-dessus. Quand c'est de la RNG ou quand c'est du random comme ça, ou bah tu peux rien faire en fait. Tu vois ce que je veux dire? Ma quête est encore là debout, j'en peux plus. Bah, je suis pas forcément d'accord parce que justement, t'as les mécaniques pour casser le RNG, tu vois. Si t'as des cartes de défense, tu peux te défendre, tu vois. Donc, Mais le problème, c'est que la synergie entre les cartes et les dés, elle fonctionne pas. À mon avis. Ouais, c'est ce que je disais en fait, c'est beaucoup trop too much en fait. En termes de. Bon voilà, normalement il est mort. Du coup, ce sera au prestige, je crois que c'est Ouais, juste voilà, deux. c'est ça. C'est le jeu où si jamais tu veux rien foutre, voilà, c'est bon, c'est bon. Du coup, je suis vraiment des rois. Voilà, donc du coup, ouais, à la fin de la game, en fait, t'as des titres. Que tu peux même pas savoir ce que c'est. Parce que concrètement. Guérisseur, peut-être parce que c'est moi qui me suis auto-guéri le plus dans cette game avec des cartes, je sais pas. Tu vois, j'ai parti perdant, je sais même pas ce que c'est. Ouais, non, mais. Le mec qui est micromancien. Ah, donc maintenant t'as de l'XP sur les héros. Intéressant. Ouais, du coup, tu débloques un truc. Donc là, je débloquais quoi? Je sais pas, j'ai un coffre et un anneau, moi. Ouais. Cuir malchanceux. Ok. Ouais. Compléter 10 parties de Armello, je suis à 4. Ah, ok. Le succès, le succès. Oh là là, j'ai un Bon. nouveau coffre. Toi aussi, en fait, on a tout pareil là, on Ah ouais, enchaîne. donc. Ça, c'est la partie un peu. Un dé de filon de fer. J'ai eu un cramp vein. Quoi? T'es Oh, jaloux, hein. hein? T'es jaloux. Oh, hein. C'est bien. En fait, maintenant, du coup, tous les dés. Enfin, ils ont en fait permis à des dés d'apparaître dans le jeu. Sans avoir à acheter des trucs. Ouais, visiblement. Je ne peux pas communiquer avec le serveur de l'inventaire. Pareil, bon bah ok. Il marche bien, je. Ouais, visiblement. Alors, bon, on fait une pause de 2 secondes, on essaie de voir à peu près ce qu'on a vu. D'accord? Ouais. Du coup, les conditions de victoire, qu'est-ce que t'en penses? Alors, du coup, en condition de victoire, on a le prestige qui est un peu la victoire par défaut. Ouais. Alors, moi je trouve que le prestige en fait c'est une victoire qui est beaucoup trop facile à avoir quand on te laisse tranquille.
Oui, bah, je sais que C'est. j'avais fait une partie où littéralement je passais mon temps à achever les autres joueurs. Ça faisait que du coup j'avais du prestige un peu cher. Ouais, mais tu vois, justement, c'est. Moi, je trouve que. Parce qu'en fait, toutes les autres victoires, en gros, il faut que tu prennes le risque d'entrer dans le. Dans Il y a une le. action nécessaire, quoi. Voilà. Alors que le prestige, en fait, t'as juste à rester tranquille, chiller. En condition de victoire, t'as tué le roi, c'est ça? Oui. Après, tu as le soigner avec les pierres. Celle-là, franchement, elle est abusée. Ouais, parce qu'en fait c'est comme si en fait tu te battais avec lui, en gros t'es quand même obligé de rentrer dans le Châtal là et lui dire ah démon oh là là oh là là oh là là et après il fait ah oh non c'est vrai que c'est pas gentil d'être méchant tu vois et puis après voilà il meurt. Mais là-dessus, tu vois, je trouve que c'est là-dessus où je trouve que c'est pas équilibré. Parce que concrètement, la victoire, bah regarde là. Genre, on était à deux à chasser les pierres. Il y en Ouais. a un seul qui a eu les quatre pierres avant la fin. Alors ça arrive quand même d'avoir les 4 pierres quand tu te mets dans l'idée. Moi, en fait, c'est en bout de course que je me suis dit, tiens, je vais essayer de taxer les pierres. Parce que du coup, je me suis dit, jamais je peux le battre. Parce que si je me souviens bien, le roi est clairement. Ouais, il est ultra vénère. Genre, il te met des patates. Donc, j'avais pas trop envie de tester ça tout de suite. Mais, enfin voilà, les objectifs de victoire, en fait, si tu veux, c'est pas comme dans Civ, si tu veux, ou dans Civilization, en fait, faut vraiment que tu fasses ça. Donc en gros, tu vas essayer de tout faire depuis le début de ta game jusqu'à la fin pour avoir telle victoire. Parce que si jamais tu te perds trop en route en essayant de faire une autre victoire à côté au cas où, ça risque de te coûter la victoire. Or, dans ce Là, jeu. le but, c'est de changer d'avis en plein milieu selon comment ça se passe. Voilà, c'est ça. Et moi, je trouve ça un Parce que peu du coup, d'un dommage. point de vue RP, bah, c'est de la merde. Bah justement, en fait, ils avaient tagué le jeu en RPG. Et moi, perso, je ne vois pas l'élément de roleplay, en fait. Bah, il pourrait y être, tu vois. Enfin, si tu prends genre l'ours qui est en mode genre oui, la nature, machin, tout ça. Ouais. On va soigner le roi, sauf qu'en fait le jeu, si t'as pas de bol, bah tu peux pas soigner le roi, tu peux C'est ça. juste pas. C'est ça. Donc là-dessus, ouais, c'est. En fait, le truc, c'est qu'on peut, tu peux pas vraiment te construire un personnage pour une victoire. Oui, voilà, c'est ça, c'est. Inexistant. Donc là-dessus, moi je dirais que c'est un peu triste quand même. Oui, c'est. Moi, je trouve que les conditions de victoire ne sont pas hyper bien, on va dire, représentées. Enfin, pas représentées, mais C'est sûr. utilisées Tu et finis appliquées. souvent par te dire, bah en fait, je vais jouer prestige. C'est ça. Tu finis quasiment tout le temps par te dire, c'est plus simple, je vais faire ça. Ouais, parce qu'en vrai, t'as juste à faire tes quêtes, t'as juste à vaincre soit les wilds, là, les monstres, soit tu achèves des héros. Et que tu peux faire ça en plus par interposer avec des cartes en plus, c'est ça aussi qu'il faut se dire. C'est que t'es pas obligé d'engager le combat, t'as juste à lui envoyer une dagounette et puis c'est fini quoi. Donc c'est dommage. Je trouve ça excessivement dommage. Le chat, si vous avez un avis, n'hésitez pas. Complètement. Parce que nous, c'est ce qu'on voit à chaud. Après, c'est vrai que, par exemple, là, à côté, on va faire un document vite fait pour la ref. On va rajouter des choses après match et tout, voir si vraiment on n'a pas oublié des trucs. Mais si vous avez des choses en tête, n'hésitez pas. Il y a. Cela dit, moi, enfin, disons que les conditions de victoire, je pense qu'on en a fait un peu le tour. Je sais pas pour toi. À moins que tu veux rajouter un truc. Il n'y a pas grand-chose à dire de plus, je pense. Moi, en tout cas, de ce que j'ai pu mettre, c'est déjà les trois types de victoires possibles. Et que je trouve, du coup, que les victoires sont mal équilibrées, avec un build de pré-match quasi. Bah. Inexistant, hein, dans les lignes. Inexistant, d'ailleurs c'est justement le mot que j'ai marqué, inexistant. En vrai Ah, je. techniquement, si t'as un peu, un tout petit peu, mais vraiment très peu, C'est minime quoi. de build-up, c'est genre typiquement si tu vas prendre Sana, là, l'ours, tu vas plutôt cibler justement le nettoyage, alors que si tu C'est prends ça. le loup, tu vas plutôt cibler le prestige, alors que je crois que le. Genre le rat par exemple, ce sera plutôt l'assassinat du roi. Enfin, t'as plus ou moins des persos qui sont construits pour tenter une victoire. Ouais, mais c'est tellement léger que même Ouais, ces c'est héros-là trop peu changent en pour que ce fait. soit intéressant. Ça change des masses. Après, il faudrait en vrai, peut-être qu'ils se sont rattrapés avec les héros de DLC qui sont sortis après.
Mais on est là juste pour checker les enfin, le jeu de base, quoi. Donc voilà. Alors, Monolith nous dit, j'ai l'impression que le jeu n'est pas exploité au maximum, j'ai l'impression que ça reste timide. Alors, moi, je serais plutôt d'accord avec ça, hein. C'est qu'ils ont été timides sur certains éléments de gameplay. Ils ont pas voulu. C'est comme si, en fait, ils avaient fait un espèce de. Ça sent un peu l'équilibrage avant la sortie, où ils se sont peut-être dit, ouais, en fait, là, maintenant, comme ça passe. Ouais, je sais pas trop, mais une remarque un peu chaud là-dessus, c'est que y a un truc que je comprends pas, c'est que quasiment tout joue au dé, sauf les quêtes. C'est ça, oui. Parce que bah pourquoi aucune explication, mais surtout que c'est un peu bête parce que les dés en fait justement on peut les piper avec les cartes, donc ça casse en fait toute la mécanique autour, c'est un peu très bizarre. Ça fait un peu l'impression de oh mon Dieu, c'est trop complexe, il faut qu'on trouve autre chose. Oui. Mais du coup, bah c'est pas terrible. Après, du coup, ouais, ils auraient, à mon sens, ils auraient dû aller un peu plus dans la gestion des dés, un peu plus présente en fait. Non, moi je Typiquement, comprends. avoir des trucs un peu bêtes, genre avoir des événements qui te permettent de rajouter un dé définitivement à ta poule de dés ou n'importe Bah, il quoi. y en a, ce sont les cartes. Moi j'ai eu une carte par exemple qui était, je crois, au bouclier Gigacu là. Oui, je lui ai donné un petit nom. Ouais, c'est un équipement. Oui, c'est un équipement. Et du coup, dès que je me faisais attaquer, bah du coup, j'avais. Si j'attaquais, il me donnait qu'un seul dé gratos. Genre, ça venait pas prendre dans ma poule de dés, ça venait directement se mettre un dé de défense. Si jamais je me faisais attaquer, j'avais deux dés de défense. Grâce à cette carte. Enfin, pas deux dés de défense, mais deux points de défense gratos C'est en fait. là-dessus où je reviendrai sur le fait que bah il n'y a pas de deck building. Ouais. Des items j'en ai looté, des équipements qui me permettaient d'avoir des dés, j'en ai pas eu, tu vois. Voilà, c'est Alors que ça. c'est ce que je cherchais, Mais tu vois. d'ailleurs, c'est ce que j'allais dire en fait, c'est que vu que là, du coup, là, on est dans le point de ce qu'on voulait faire dans le Refhunting sur Armello, c'est l'interface d'un jeu de plateau qui combine les cartes et les dés. Donc j'ai Bien noté le fait que. si les animaux ont des caractéristiques spéciales en fonction de leur race. Oui, chaque personnage, Perso, ouais. ouais, chaque perso ont des trucs. D'ailleurs, on pourra le. En vrai, je pense qu'on peut aussi lancer une deuxième partie après. Ouais, ça se fait. Pour retester, mais en tout cas à chaud, moi je trouve que le système de jeu, je comprends tout à fait les critiques qui avaient été faites à sa sortie de c'est un bon jeu d'une heure, mais il a une répétition Ouais, surtout qu'il faut qui voir se joue que trop quoi. in-game, on a vite fait le tour quand même. C'est ça, parce que en fait ça va être ça tout le temps en fait. Il n'y a pas Après, il y a du contenu, hein. Il y a des cartes, il y a des quêtes, machin, et tout ça, mais à mon sens, le contenu en lui-même est pas assez Ouais, il est pas assez. intéressant en fait. Enfin, typiquement, les quêtes qui t'amènent à l'autre bout du plateau, il te faut 2 jours entiers pour y aller. C'est ça. Ça t'empêche un peu d'avancer quoi. Et oui, il y a tout un écran où on peut voir chaque animal avec ses caractéristiques. Bah, c'est la sélection de perso de toute façon. Non, non, avant Hein, même dans les ici, terres parce des que clans? tu Oui, voilà, donc les terres des clans, tiens, on va ouais, voir. Fan. Donc, qu'est-ce qu'il a, Fan? Donc, en combat, bon, ouais, voilà, il y a aussi cet aspect-là aussi qui est. Tu vois, moi je trouve qu'il y a beaucoup d'informations. Par exemple, combat physique. Donc, tu vois, j'aurais mis le tout en combativité. En combat et physique, tu vois. Juste rassembler ces deux stats-là en un seul. Vu que c'est un jeu de plateau, c'est pas un JDR, c'est pas un truc machin. Tu vois, on aurait pu rassembler les deux, par exemple, typiquement combat et physique. Sur une seule stat, tu vois, pour que ce soit la stat utilisée pendant les combats. Donc en fait, tu n'as plus des points de vie, mais en fait, c'est les boucliers que tu as en fonction des dés ou de tes cartes, en fait. Tu vois ce que Ouais, je veux mais tu dire? vois, si tu ramènes à une seule caractéristique, tu peux pas faire des trucs avec quelqu'un qui fait très peu de combats mais qui tank à mort. Je peux comprendre. Tu vois, Non, c'est sûr, c'est mais. empêchant. Moi là-dessus, enfin, ça me dérange pas plus que ça, le fait qu'il y ait combat, point de vie, esprit, je comprends. Les cartes, par contre, moi j'aurais dégagé. Voilà, c'est ça en fait ce que j'allais dire. En fait, quand j'ai utilisé cette expression. Ça. Attends, excuse-moi. Pardon. Merci. En fait, ce que je voulais en venir par là, c'est que.
Il y a beaucoup et en fait, je trouve qu'il y a beaucoup de stats. Là, typiquement pour un perso, t'as 5 stats. Et des fois, une stat, c'est juste pour un deck. 4 ans. Ouais, 4 même. Non, 3. T'as 3 decks de cartes en fait sur lesquels tu peux piocher. T'as les équipements, t'as la ruse et t'as la Ah, mais magie. t'as 4 specs. Oui, mais voilà, t'as 4 specs. Sachant que, bon, les pièces d'or, je peux comprendre que tu payes en pièces d'or pour certaines cartes, genre équipement ou ruse et tout, machin. Mais comme tu disais, en fait, le deck building en fait est pratiquement inexistant parce que déjà Ah, d'une, il tu est sais pas ce que totalement t'as, inexistant. tu ne sais pas ce que tu vas choper. Et si jamais t'étais parti dans un build précis pour essayer de gagner contre l'autre, bah en fait tu te retrouves très facilement pendant les games à ne pas faire ce que tu avais prévu en fait. Tu peux juste sensibiliser ta chance en t'équipant d'une bague ou des trucs comme ça, d'ailleurs ça on va le voir après, pour histoire de te mettre un peu plus en présence d'esprit ou machin ou quoi. Mais en fait, moi ce qui m'énerve aussi dans le système des cartes, c'est que t'es limité d'accord au nombre de cartes que tu peux avoir en main. Ok, très bien, si tu veux, soit. Moi j'aime pas ce système-là, moi j'aurais mis genre par exemple pour tout le monde 5 cartes dans la main, par exemple, une connerie dans genre, tu vois. Mais tu peux pas te défausser de tes cartes, t'es obligé soit de les utiliser, ou soit les utiliser pendant tu sais, les périples ou les combats, les machins. Ouais, non mais Dis ça non, c'est assez. Malo, j'ai gagné, hein. Attention. Vraiment les cartes là, enfin moi il y a la moitié de la partie où j'étais handicapé par mes cartes. Enfin Pareil. tu sais j'avais les cartes poison là, où tu récupères des ronces à les utiliser. Sauf que je crois que si tu vises la victoire par nettoyage, t'as pas le droit d'être d'avoir été corrompu. Oui, alors en fait, quand t'es corrompu, en fait, il y a un gameplay que tu peux faire. Une fois que t'es trop corrompu, autant essayer de se corrompre à fond. Parce que du coup, par exemple, en fait, quand c'est un combat entre deux T'as une autre corrompus. victoire, je crois. Je crois que t'as une victoire par corruption aussi. Hein? Oui, parce qu'en fait, quand t'es corrompu et que tu te combats contre un autre truc qui a de la corruption, celui qui a le plus de corruption, bah en gros, il absorbe le nombre de corruptions pour les transformer en dés. Enfin, tu vois, ça fait un truc comme ça. Et vu que le roi, lui, il est corrompu, bah du coup, tu te retrouves contre lui avec une armée de dés pendant que lui, il en a, je crois, 4 ou 5, vu que tu lui envoles en fait directement. Il me semble qu'il y a ça aussi, mais voilà. Enfin, en tout cas, pendant toute la partie, du coup, tu es obligé de t'essayer de te mettre en corruption maximale. Parce que sinon c'est pas viable en fait, sinon tu ne fais rien d'autre. Donc si tu veux, c'est encore une victoire un peu par dépit. Bonne nuit, Malo. Bonne nuit Malo. Mais enfin voilà, il y a ça aussi tu vois qui me dérange un peu, tu vois, c'est. Il y a certains trucs qui. Bon. Oui donc du coup comme on peut voir il y a aussi les anneaux, hein, la furtivité dans les montagnes, de jour comme de nuit. Ça c'est quoi? C'est plus 2 de magie pour toute mort provoquée en combat. D'ailleurs, la magie, elle sert à quoi? Parce que t'as des cartes magie, donc du coup. Ouais, mais du coup, c'est quoi? Ça te consomme de la magie pour lancer la carte? Oui. Et t'as, par exemple, quand tu prends la carte magie, en fait, ça te consomme de la magie. Donc du coup, il faut dans ta pool de magie, c'est ta spiritualité. Donc là, par exemple, là, avec le Than, là, le loup hivernal, bah, en gros, j'en ai que 3. Donc, du coup, les spells qui ont plus de 3 points à dépenser, bah, je peux pas les utiliser. Donc, du coup, ça me fait une carte de rien du tout dans ma main, qui prend de la place. Et ça, je trouve ça chiant, en fait, qu'on puisse pas, au moins, tu vois, se défausser de carte. Au pire, bah, t'en pioches moins le tour où tu t'en défausses, histoire que ce soit handicapant. Mais un truc, quoi, parce que là, honnêtement, je me suis Là, retrouvé t'es avec des vraiment cartes. bloqué par des cartes que tu peux pas choisir. C'est ça, c'est ça. Voilà, t'as l'histoire, très bien. La maîtrise, oui, donc voilà, du coup ça c'était ça, pas ça avant, mais voilà, du coup on a la maîtrise. Ouais, bah ça c'est juste de l'esthétique, je crois. Oui, Enfin, voilà, c'est ça. ouais, non, tu récupères des anneaux que du coup tu peux utiliser. Tu vois Mais par enfin. exemple, là, Than, il a 5 en combat, 5 en physique, 3 présences d'esprit, 3 spiritualité. Très bien. Laura, lui, il a 4 en combat, 5 en physique, 5 en présence d'esprit et 6 or. Et en plus de ça, il est tout le temps pratiquement en furtif. Et dès qu'il vole un campement à quelqu'un, bah du coup il pique de l'or au gars à qui ça a été. Tu vois par exemple, typiquement, moi je le trouve overpowered par rapport au loup. Par rapport à Than. Mais tu vois, il a le même nombre de points que l'autre, tu vois. Non mais sauf que par exemple, tu vois là, le truc qui est un petit peu débile, c'est pourquoi lui avoir foutu autant de spiritualité au loup alors que.
clairement 3 c'est pas assez pour en faire quelque chose. Et là, si tu Bah, veux, là, après, le le perso loup, est il me déjà un peu semble que plus. c'est quand même genre le perso standard, genre t'en fais ce que tu veux selon les cartes que t'as, quoi. Ouais, ce serait l'excuse, sauf qu'avec 3 présences d'esprit, mec, t'en fais un peu rien en fait. Je sais plus à quoi sert la présence d'esprit. Bah, c'est le nombre de cartes que tu peux avoir en main. Ouais, mais t'as des trucs pour l'augmenter, ça. Après, 3, Il c'est faut, relativement standard, vraiment. hein. Non, par contre, il faut que tu stackes les quêtes. Sauf qu'en stackant les quêtes juste pour avoir une présence d'esprit, bah, du coup, tes autres stats n'augmentent pas. Et donc, du coup, tu peux pas Ah avoir oui. autant quand tu vas te foutre sur la figure avec un monstre ou avec un. Tu vois, il y a ça aussi, hein. Mais c'est là-dessus où tu vois, enfin typiquement, je pense que avoir trois cartes, c'est pas un problème à partir du moment où Bah, t'as t'as pas des cartes que humain. tu vas cramer pour forcer des dés à être Pas offensifs dans ton forcément. combat. Pas forcément, parce que, en fait, si tu veux, voilà, moi je me suis retrouvé dans la plusieurs fois dans le cas où, en fait, si j'ai gagné, c'est parce que, en fait, je suis resté en retrait. Mais j'étais obligé, donc du coup, ça, je me suis fait un peu chier, perso. Et avec les trois cartes, des fois, j'étais avec. J'étais avec quand même avec des cartes que je ne pouvais pas utiliser, non seulement des cartes où genre en fait si jamais j'utilisais ça allait augmenter ma corruption, or vu que je jouais pas en corruption, bah du coup c'était juste contre-productif. Et après hors gameplay je pouvais même pas quand on était encore sur les tuiles les utiliser. Et bonjour Poupou Pidouwa. Ça va bien et toi? Alors bon. Il y a. Comment dire? Je sais pas. Honnêtement, moi, c'est ça qui m'a dérangé en fait là-dessus. Mais ça revient toujours au même problème du nombre de cartes là que t'as dans les mains, comment l'utiliser, le fait qu'on puisse pas vraiment s'en défausser et tout ça. Et moi, je trouve que pour. Quand par exemple, tu vois, t'es un nouveau, moi, je trouve l'expérience un poil trop abrupte, voire un peu décourageant en fait pour poursuivre. Après, normalement, t'as quand même un tuto et tout ça au début. Oui, mais t'as un tuto, tu sais, en fait le tuto de Armello, je m'en souviens encore, donc du coup je peux en parler. Il est très dirigiste dans le sens où voilà comment ça se passe dans le meilleur des cas. Ils te font expérimenter, je crois, une petite mort, mais Je c'est. crois que t'as pas de random justement dans ce cas. Voilà, t'as pas de random. Donc du coup, bah tu pars en mode pleine espérance, en mode genre d'accord, ok, donc c'est comme ça que ça se passe. Tu te retrouves dans une game réelle, non scénarisée. Bah disons, c'est un peu la fête au slip, quoi. Mais je crois que justement, t'as quand même un gros choc entre le tuto et quand tu fais ta première partie où, genre, vraiment c'est le jour et la nuit, le machin, quoi. Mais Poupoubidou, si tu nous T'inquiète. dis que c'était ton jeu favori en 2015, est-ce que tu pourrais nous dire pourquoi? Qu'est-ce qui te plaisait dans le jeu? Est-ce que les dés c'était intéressant? Parce qu'on n'est pas d'accord là-dessus. C'est toujours ton jeu favori depuis 2005. D'accord. J'avais mal lu. Alors, peut-être. Juste, on va juste recadrer le truc. En fait, on est en train de tester le jeu pour, c'est pour prendre des refs, hein, d'accord? Donc c'est pour ça d'ailleurs que si jamais tu nous entends, on le défonce un peu, hein, soyons clairs. On est un peu en train de le défoncer en Oh, fait. très gentil. Oui, mais parce que vu qu'on est en train de faire un jeu nous-mêmes, jeu de plateau, un jeu vidéo, qu'on stream sur cette chaîne d'ailleurs, c'est pour ça qu'on fait cette référence. Ça fait partie du coup de la liste de jeux qu'on teste pour prendre des références. Donc du coup, on analyse les gameplays dans le sens où on essaie de voir qu'est-ce qui a été fait avant et tout ça pour voir quelles sont les originalités, les trucs qu'on veut bien essayer de réfléchir si jamais on trouve un gameplay intéressant, si jamais par rapport au gameplay qu'on avait en tête, est-ce que ça marche ou pas avant qu'on se mette à côté. C'est pour ça. Parce qu'il faut apprendre à chaque partie, il y a plein de profondeur, t'as des stratégies, chaque partie, et en apprenant plus que le tuto, t'apportes rien. Ouais, d'accord. Alors, ouais, donc c'est bien ce que j'avais lu, tu vois. Par exemple, ce que dit Poupou Pidouwa. Je sais pas pourquoi je galère, alors qu'en fait, c'est un truc qu'on peut dire chaque fois, c'est Poupou Pidouwa, voilà. Pardon, hein. Mais tu vois, par exemple, ce qu'elle dit. C'est assez intéressant parce que si tu veux, c'est ce que des. Parce qu'il y a quand même encore une fanbase d'Armello qui joue à ce jeu, hein, quand même. Bah oui, on en a un, là. Oui, on en a un, la preuve. Et bah, si tu veux, c'est ça qui met le plus en avant, c'est les strats
Alors, contre-intuitive, je sais pas. C'est pas vraiment le mot que j'avais vu, mais peut-être parce que je regardais les commentaires en anglais. Mais en fait, il défendait vraiment cette idée justement de stratégie contre-intuitif, tu vois, genre le fait de reward justement comme ça, le joueur qui s'intéresse vraiment au gameplay, à la mécanique, mais tu vois, c'est comme les mecs, tu vois, qui jouent à Magic ou à tout ce genre de trucs là, tu vois, ils vont sortir des strats que personne n'avait pensé, qui va devenir la méta pendant longtemps, qui après va s'effondrer, enfin tu vois, il y a tout un. Il y a ça aussi qu'il faut quand même qu'on fasse attention à prendre en compte. Vous prenez quelle amulette, quelle bague et quelles caractéristiques? Alors, nous on y va en mode. Là on est en jeu de base. Vraiment de base, c'est-à-dire qu'on y va un peu au pif, hein, Déjà, clairement. pour information, on n'y a pas joué depuis moi au moins 5 ans, je pense, 4 ans, quelque chose comme ça. Donc j'ai relancé, je savais même plus comment ça jouait. Donc Je savais même Sana. pas qu'il y avait des anneaux et des allumettes, des amulettes. Oui, d'accord, donc je vois ce que tu veux dire. Les aptes à gagner à la victoire au déclin. Victoire au déclin. Donc tu vois, là par exemple, typiquement, c'est Ah vrai ouais, tout le monde que. pense qu'il faut la jouer pierre dame, ouais, c'est ce que je pense aussi. Mais parce que le tuto te laisse C'est un peu ça. comprendre que c'est genre Sana qui joue pierre dame. Après, c'est ce qu'ils te vendent dans le tuto, comme c'est scénarisé et tout. C'est vrai Ouais, qu'il y a c'est quand même ça. ce Hein. biais cognitif de, bah tiens, le tuto nous a dit ça, du coup, pouf, 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 tu vois. Enfin, du coup, qu'est-ce qu'on a fait du coup? Là, on a fait l'interface d'un jeu de plateau qui combine les cartes et les dés. En tout cas, merci, hein, Popoupidoua. C'est ce que tu as apporté comme. Parce que c'est bien aussi de savoir un peu ce qu'en pensent les gens qui sont encore dessus, tu vois, qui ont suivi le développement du Ceux jeu. qui sont restés dessus. Ouais, c'est. Parce que là, typiquement, nous, après 2015, on n'y a plus tout touché en fait. Ouais. Mais ouais, donc du coup voilà, on n'était pas on avait vite fait parlé de l'interface du jeu sur les cartes et les dés. Alors moi, le système de tuiles par rapport au projet qu'on veut faire, en fait il y a juste des tuiles, ça ne je peux pas vraiment le comparer avec notre projet, tu vois. Bah, il n'y a pas de directionnel en fait. Voilà, donc du coup Juste pas de directionnel, donc c'est pas peut-être grave. l'idée que voilà, les Les tuiles montagnes. piégées, c'est rigolo. Oui, le piégé, oui, mais ça, on y avait déjà pensé. Ouais, c'est déjà présent. Mais du coup, là, tu vois, c'est un personnage, un joueur peut piéger une tuile. C'est ça. Ça, on n'avait pas forcément évoqué la possibilité. Qui transforme les épées brûlées en effets perçants. Donc il faut ne. Donc il faut ne. Ces épées, mais ça ruse pour avoir plus de cartes à brûler. Hein, d'accord. Le système de PO, bon, bah c'est en fait, moi je pensais que c'était un système d'achat en fait et tout ça, par rapport à notre système de jeu à nous, là qu'on veut faire. Sauf que là, les PO, en fait, c'est un peu comme un type de mana à cramer. C'est une sorte de mana et il n'y a pas grand chose à en faire en fait. Hein. C'est ça, c'est. Ils auraient appelé Enfin. ça endurance que j'aurais rien vu venir, tu vois, non plus. Disons que c'est une ressource qui est plus facile à avoir que C'est la ça. magie ou des trucs comme ça, j'ai l'impression. Dans les actions possibles par joueur, en fait, c'est juste tu pioches, tu fais ton truc et machala quoi. Le tour de jeu, tu veux dire? Ouais, le tour de joueur par joueur, Bah ouais. t'as 3 de déplacements, enfin non, t'as un nombre défini de déplacements par perso. Ouais, c'est ça. Et après tu joues autant de cartes que tu veux, je crois. Ouais, c'est ça. T'as pas de limite de cartes. Bah écoute, moi je te propose qu'on fasse une deuxième game. Qu'est-ce que t'en penses? Bah ouais, vas-y. Pour voir à peu près. Alors, j'annonce, je vais peut-être jouer le Barnabé. Ce qui me fait rire. Donc. Je pense que je vais peut-être prendre Barnabax. Tu dis Barnabax, c'est qui? C'est le lapinou en
armure, je pense. Lapine noire. Ah oui, ben. Ok. La connexion au réseau a expiré. Mais c'est génial ça. Tu lances du bon endroit? Oui. Normalement, Le jeu est cassé. je vais casser. Barnabé le tank. Ah, je peux ready. D'accord. Je peux l'aider. Qu'est-ce que je fais dans la règle des dans la maison des règles? Que fais-tu, gentil petit flibustier? Alors, amulette. Attends, il a combien déjà en physique? Il a 6, présence d'esprit 4. On va faire ça. Les anneaux. Toujours pas ce que je fais. Faire ça. Allez, on lance ça comme ça. T'as choisi, toi? Ouais, c'est bon, je t'attends. Ok. Bah écoute, je suis prêt, prête. On y va, on y va. Moi je le trouve hyper mignon quand même. Moi normalement les lapins ça me... J'en ai rien à cirer. Mais je le trouve quand même Barnabé assez marrant. En temps normal. Oui, les personnages ont des designs sympas, hein, franchement. Qualité, qualité. Alors du coup qu'est-ce que ça se dit sur le chat? Tout se gagne en fonction des colonies possédées. Ouais, il y a un côté actif pour en avoir un lien de magie où elle se gagne de manière passive. Pour Barnabé, j'aurais opté pour diamant et fougue. Je sais pas ce que ça veut dire. Moi non plus. J'imagine que c'est les amulettes et bijoux qu'il fallait prendre. Le mec il a déjà un équipe, c'est incroyable. Et du coup maintenant on a un maître du jeu qui nous surveille, il va voir à quel point on fait n'importe quoi sur le jeu, il va nous dire mais vous avez rien compris. Oui, alors on y joue toujours en mode. Alors dis-toi qu'on a relancé le jeu il y a très très peu, genre aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait. C'est tout. Y a pas autre chose, c'est. Ah non, honnêtement, on est. Littéralement, on l'a lancé il y a 3 heures. Allez, max. Alors, Poupoui. Poupou Piloua. Poupidou. Pourquoi je galère à chaque fois comme une espèce de. T'es nul. Non, alors déjà on est, en fait, si tu veux, on est tellement focus à essayer de, essayer, tu vois, d'analyser en fait le jeu parce que c'est vraiment une recherche de référence en fait qu'on fait là. Du coup, on n'est pas, c'est vrai qu'on n'est pas très strat. Moi, perso, j'essaye de, lol. Moi, j'essaye perso d'essayer de soit choper la caractéristique en plus qui me fait défaut ou quoi sur le moment, je sais pas trop. Ah, il m'a mis à côté de ma quête et. Putain, j'ai de la chance avec les quêtes pour une fois. Mais oh! Ouais, mais regarde, toi t'as une pierre à côté de toi. Ah, justement, j'ai rien dit. Mais en tout cas, le fait, tu vois, que les gardes ou quoi. En fait, l'ajout des gardes, je comprends dans le concept de ce jeu-là. Moi, je le prendrais pas pour le nôtre, tu vois. Non, c'est intéressant, les gardes. Oui, En oui, fait, mais. les gardes et les trucs volants, là, je ne sais pas comment ils s'appellent, mais. C'est sympa. Ah ben merde, il fallait pas choisir la quête en fonction de l'item potentiel mais de la caractéristique qu'elle apporte. Je pense que j'ai pas bien fait. Les monstres corrompus sont des fléaux, apparemment. 40%, voilà. Pour le 40%. jeu. La roulette russe. À gauche! Oui, c'est ce que je disais. À gauche! Oh! GG! J'étais en train de dire. Oui, non, ça je sais, Poupou. Oh, je vais pas t'appeler Poupou, attends. Non, Pinou! Poupou Pilouard! Poupou Pilou, waouh! Ça, c'est bon. Très bien. Poupi!
Poupi? Très bien. Ou Natacha. Poupi. Natacha, c'est trop personnel. C'est trop personnel. Qu'est-ce qu'on peut faire quand on n'est pas en... pour regarder son inventaire? Ouais, c'est ça aussi qu'il faudrait voir. On peut voir les caractéristiques du héros qui est en train de jouer. Alors enfin, ça c'est... Techniquement aussi. Ça, oui, ça tu vois, ça aussi, tu vois, ça peut être, c'est quand même un côté sympa que, si par exemple, tu vois, qu'on va faire le truc, le jeu, ce serait quand même sympa, tu vois, qu'on puisse avoir une espèce d'interface comme ça, histoire que ça, tu sois pas juste en mode spectateur, comme si tu regardais une cinématique, en fait. Ah oui, clairement. Parce que, sinon... Bah, il faut occuper les tours inutiles, parce que c'est pas... Alors, le timer, je sais pas à combien il est set sur ce jeu, typiquement. Tiens, t'as gagné en corruption, toi. Ouais, je suis un fifou. Toi, tu joues corrupt. Je veux jouer, je sais pas ce que je fais là. Oui, t'as raison. Voilà, oui, alors tiens, voilà, t'as du coup ce que disait Poupidou. Poupidou. Oh, pourtant, je pense. Poupidou. En faisant tab, du coup, on a un res, enfin, on a un résumé de ce qui se passe. Donc, le timer est de 2 minutes, mais les modiflables, on appelle ça les parties fureur. Comment ça? Comment ça? On réduit son truc Parce que, en fait, moi je trouve que 2 minutes, je trouve ça hyper long. Surtout que c'est un jeu à 4. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais faut quand même faire un peu de la stratégie et oui, tout. Oui, oui, c'est ça le truc. Pas déconner. Oh! Qu'est-ce que c'est que ça? Les parties fureurs font 1 minute, d'accord. Tu vois, une minute. Je réveillais un fléau, quoi. Eh ben bravo. J'espère que tu es content de toi. Je sais pas ce que je fais, mais je fais juste n'importe quoi après. Ouais. C'est ultra court, ouais, c'est des speed. Mais ça aussi, tu vois, c'est un des trucs à essayer de choper et de voir comment on peut. Tu vois ce que je veux dire? Essayer d'équilibrer. Hein. La nuit que le jour. Ah, donc faut explorer le jour plutôt que la nuit, d'accord. C'est bon à savoir, ça. Hein. Je change leur main avec celle d'un autre héros de manière aléatoire. Je peux pas choisir de quête, non? C'est quoi? De popper la nuit que le jour. Ouais, ça oui. Je perds un prestige avec tes conneries là? Oui. Mec, il veut la guerre. Tu veux la guerre? Alors honnêtement, j'ai pas fait exprès. Si, t'as clairement fait exprès. Mais non, mais pas du tout! Mais vas-y, ma quête, elle est au bout du monde, là. Elle est où, ma quête, d'ailleurs? Where is my quête? Toi, elle est à côté de toi, regarde pas très loin. Comment ça? Mais non. Attends, où est ma quête? Ah, il y a... Je peux pas te le dire. Tu veux qu'on échange nos positions? Ça pourrait peut-être t'arranger. Je prépare un plan. Donc, du coup, alors, elle propose de choisir entre 3 consommables. Ah, d'accord, il faut le mettre, ok. Dans un déclenchement de poison. Je dirais que Armello est une difficulté proche du jeu de plateau route. Je ne connais pas le jeu de plateau. Si vous jouez déclin, fouillez les ruines la nuit. Si vous jouez autre chose, vous fouillez le jeu. Qu'est-ce que tu entends par jouer déclin? C'est jouer malédiction là? Ouais, quand t'es tout. Du coup, c'est quoi la condition de victoire pour la malédiction? C'est. Il faut. Faites la gueule au roi, je crois. Le roi? Ouais. Je sais pas s'il faut pas le corrompre plus que le tuer. Non, en fait, il faut que tu te corrompes le plus possible, parce que comme ça, en fait, quand tu vas te battre contre lui, t'auras plus de dés. Ah, il faut juste avoir plus de déclin. Plus de déclin. Déclin que le roi, c'est tout à la fin de la partie. Qui a le plus de déclin avale les dés de l'adversaire. Donc, oui, donc faut quand même lui péter la figure ou pas en fait. C'est ça ma question. Parce que si jamais c'est plus de déclin, du coup, qu'est-ce qu'il gagne entre celui qui a le plus de prestige et plus de déclin? Si jamais il était pas obligé d'aller lui dire bonjour au roi, celui qui a le plus de déclin, non? Ah, il faut le battre.
Voilà, faut le battre quoi qu'il arrive. Oui, il faut le battre, donc voilà, c'est ce qui me semble. Bah, du coup, ça compte comme une victoire contre Roi en fait. C'est juste une strat en plus pour pouvoir le battre, c'est tout en fait. Moi, il est là aussi le truc, c'est que. Je sais pas. Il y a quand même un. Je sais pas. Tu vois, je comprends cette idée de rajouter un gameplay en strat. Mais est-ce que je suis vraiment cool avec cette faction? Gameplay strat, qu'est-ce que tu veux dire? Bah, ce gameplay strat là, parce qu'en fait c'est quand même assez handicapant, je trouve. Après, il faudrait y jouer plus pour savoir si c'est vraiment. Le choix de type de victoire. Là, le type de victoire où en gros t'es en mode oh là là, je me suis tout corruptionné, oh là là quoi. Ah oui, épée supplémentaire. Pierre d'âme, tu ne combats pas vraiment apparemment. Le prestige n'intervient que si le roi meurt seul ou qu'il assassine son adversaire dans sa mort. Ouais, c'est la victoire par défaut, c'est ce qu'on disait. Ouais, mais bon. Toutes les autres options, des clans, pierre d'âme ou régicide, il faut tuer le roi. Enfin, pierre d'âme, on combat pas vraiment. Il y a quand même un combat dé, mais c'est pas pour le tuer, c'est ça? Ouais, je pense que c'est ça en fait. Il a disparu. Non, c'est pas grave. Alors. Du coup. Oh là là. Oh là là. Est-ce qu'il va cramer des cartes pour réussir son périple? Allez, un petit soleil. Faites pas les. Ok. Ah bah, tu vois, ça m'a fait la même que tout à l'heure. Super, je suis et tellement content. Le même, en plus. Tu t'es retrouvé au même endroit que moi. Ah ouais? Ah, sale malédiction. Ouais. Mais à l'aide! 4 pierres d'âme. Au moment de le combattre, vous n'avez pas à lancer de dé. Le roi est automatiquement. Ouais. Oui, c'est ce que je te disais au début, Laure. Ah donc si on. Ouais, il faut juste rentrer dans le château, mais au-delà de ça, il n'y a pas plus de menace que ça, quoi. C'est quoi ça? Oh, t'es trop loin. De comment ça? Comment ça? Pas du tout de quoi tu parles. Ah, y a un défi ici, je vais encore perdre. Voyons voir. Ah oui, avec 4 dés. C'est niqué, c'est complètement niqué là. J'ai rien en plus pour le cramer. Donc, Teste donc. Fier fait coquin. Eh ben, on était pas loin. Attends, si ça se trouve. On était pas loin. Ah, c'est le dommage. C'est quoi? Faire follower. Ah, oh, j'ai pas de follower, hop là, ça c'est fait. À trouver et poser une véritable cible sur votre tête, en plus d'être clair dans votre avancée, il est bien plus simple de vaincre le roi autrement. Yes. Indeed. C'est vrai que du coup, c'est vrai que ça te met quand même un sacré target. Après, bon, ouais. Toutes les autres victoires aussi te met un sacré target, parce qu'à un moment donné, ça se décide pas mal en termes de vision, de ce que tu vas en faire et tout, quelle est ta progression. Bien, quand même. C'est quand même assez clair, je trouve aussi, quand même. En fait, le régicide, non, pas vraiment, parce que bah c'est juste tu build up ton perso pour un combat, quoi. C'est ça, en fait, tu build ton perso, mais quand tu vois. Ah, ça peut être pour niquer tous les autres joueurs et du coup jouer prestige. Alors que clairement, tu vas chercher les pierres d'âme. Genre, les gens vont directement voir que tu vas chercher la victoire, pierre d'âme. Les autres, elles sont pas explicites en fait. Ça peut juste être une manière de jouer un peu hasardeuse. Ça. C'est saut. Est-ce que combattre les trucs ailés, ça te donne de la. Oui, ça te donne du prestige. Hein. Non, du. La corruption. t'as cru quand que tu jouer. Meurs, quand tu meurs, ouais. Ouais, si tu la tues, ça. Non, si elle te tue, t'as de la corruption. Et tuer les gardes, ça fait de la corruption? Comment on fait de la corruption? Bah, il faut que tu meurs ou que tu joues des cartes qui font. Allez, essayons.
Yes. À droite. Ah, GG. J'ai essayé de suivre. C'est jamais. Attends, t'as encore le mineur quoi. Toi, t'es abonné au mineur. Ouais, c'est pas trop. je C'est pas suis tout à fait légal cette histoire. Une carte de la même ici. Eh? Qui c'est qui a fait Eh? ça? Eh? Qui que quoi? Glamour, il trouve une carte. Ouais, c'est Sana. Allez, Sana, elle s'est pris le péril dans la gueule. Est-ce que j'essaye pas d'avoir plus de cartes pour avoir plus de trucs? Voilà des 5 en malédiction, vous ne gagnez plus de prestige en tuant un fléau, mais vous gagnez du déclin à la place. Voilà, donc oui, dès que tu te fais trop marabouter, autant que tu ailles franco-corruption, ce sera plus simple. Ouais, C'est terrible ça, c'est terrible. C'est terrible, qu'est-ce qui est terrible, mon cher Hulot? Bah, il m'empêche d'avancer, c'est pas bien. Ah bah, soit tu te frites, tu repousses et tu Ah prends bah. la pierre. Ah bah, je sais très bien ce que je vais faire là, ça va être rigolo. Et bim! Ah ouais, d'accord. Donc je vois qu'on peut pas discuter avec toi en fait. Hop là. Non, mais je suis un pacifiste, moi, tu sais bien, je Je lance suis pas de un combat, je pacifiste! brûle la forêt. Boule de feu! Je suis un pacifiste. Mais ouais, mais moi je pense que cette deuxième game. Ah! Tu l'as attaqué directement? Je fous une patate. Ah, du coup elle t'a donné Qu'est-ce que c'est? le gars en gros qui te fait bouger des fois des trucs de temps en temps sans ton accord, qui te bouffe en péage. Quoi? Ouais, c'est le color là. Je sais plus comment ça s'appelle. Je peux pas voir en plus, je Si, peux pas c'est regarder. dans les compagnons. En fait, Ouais, il mais prend une là c'est place de pas mon tour compagnon. donc j'ai pas le droit de regarder. Ça c'est agaçant de pas pouvoir voir son inventaire. Il y a beaucoup de sorts qui ajoutent du déclin, plus un joueur a l'occasion de jouer déclin. C'est pour ça que Sana a un accès facile à ça, à cette étoile. Plus comme le disait Sun Tzu dans l'art de la guerre, les victoires se gagnent par surprise. Sana avec 2 combats fait souvent croire au top. Qu'elle n'est pas taillée pour le combat, c'est justement pour cet aspect grâce au déclin. D'accord. Marchons à droite. Faune, vous attaquera jamais. Oui, plutôt Ah, il va faire spawner un truc, voilà. Non. En fait, ce héros-là, en fait, t'es pas obligé. Normalement, dans les autres, tu vois, quand tu t'équipes d'un truc, il se pète la gueule, tu vois, genre, il se disparaît de ta main ou quoi. Bah, lui, en fait, non, tu vois, il les renvoie juste dans sa main et il équipe, en fait, tu peux changer tes équipements. Ah oui, tu peux les réutiliser, d'accord. Ah, il est pas cher. Elle se déplace de combien là, Sana? C'est quoi ces histoires hein? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est, les histoires? D'accord, elle est comme ça. T'es en furtivité furtive. Plus ça annule son coût apparemment de l'équipement. Ah oui, exact. Zéro. Je trouve ça assez stylé. Ah, tu t'es fait Ah, rencontrer. je me suis déplacé tout seul là, voilà. Oui, à cause de ton compagnon, le colleur. Et moi j'aime quand même, tu vois, ce style tu vois, de dessin animé un peu, tu sais, un peu Disney comme on disait. Super. Oui, non, mais la DA est super intéressante, je trouve. On m'a tout pillé, quoi. Ah, ça c'est moche. On m'a tout pillé à cause de l'étranger, là. Saloperie. Donc maintenant. Ah, par contre, ça me consomme pas un AP d'avoir. Ah oui? Ça t'a sauvé la paix? D'accord. Ah oui, j'ai eu un déplacement gratuit en fait. Dis donc! Du coup, j'en profite. Ouais, y a moyen de s'en débarrasser. Ah bon?
Je sais pas comment, mais oui. Ah oui, si, quand tu colles un J'ai autre héros. fait Sana et du coup je l'ai récupéré, donc peut-être parce que j'étais pas loin, peut-être parce que je l'ai frappé. Ouais, il y a beaucoup de règles cachées quand même. Hein. J'ai perdu mon équipement, je. Quoi? C'est YOLO complet quoi. Non, non, c'est moi. Oui, non, non, mais j'ai vu le truc, mais c'est genre. Tu te fais chier à faire des trucs et tu te fais juste rembarrer comme ça. Après, j'avais pas le choix, l'autre m'allait pas du tout, je t'avoue. Ah non mais c'est le jeu après, hein. Enfin, non, c'est comme ça que ça doit jouer, tu vois, mais c'est juste. T'as aucun moyen de te défendre, t'es juste une grosse vicosse. Finitifie son tour à côté d'un autre joueur, il a 50% de chance de pigeon. 50% de chance, quelle grosse blague. Ah là, Ah, je tu choisis la tentes de fuite. l'avoir parce qu'il a un point de vie. Quoi, tu peux fuir? Je crois que c'est grâce à son truc. Putain, la vache! Bah, Bah, t'es nickel, bien. on zoome, hein. En essayant de l'avoir. Ah oui, du coup, tous ces. Ah non, ça par contre, c'est tellement pétaxe. Ah, yes! C'était chaud. Oui. Du coup, bah écoute, on fait ça. Voilà. Comment ça? Qu'est-ce qui se passe? Rien, y a Sana qui m'a enlevé 2 de prestige vu que j'étais le champion de prestige. Génial. D'obliger l'adversaire à Ah jouer. oui, cette carte-là, ouais. Gagner un deux tours pour avancer de son côté, de se rééquiper donc de gagner un deux tours. Ouais, mais au final, on peut même pas récupérer les équipements qu'on a perdus, donc c'est un peu une sale histoire, quoi. Une sale histoire quand même. Ah, je me suis encore déplacé tout seul. Ouais. Merci. Incroyable color. T'as une rencontre. Mais toi, t'es bien empesté là? Quelle non, non, j'ai juste un truc de poste. Voilà, ça marche pas. Ah, c'est dommage, Les t'étais pas assez périls, loin. c'est pété, tu peux pas les réussir. Il n'y a pas assez de chances de réussite. Du coup. Combien? Façon, je ne cache à personne, je ne suis pas quelqu'un de très très doué. Mais en tout cas, moi je pense que cette deuxième partie, elle nous informe pas beaucoup les masses sur quelque chose en fait. Il nous informe qu'il y a beaucoup de règles cachées quand même. Oui. Ça, c'est un truc que je ne supporte pas, les règles cachées. Oh! Et dis donc, je vais encore prendre de la route là. Augmenter la difficulté des périls avec des cartes, des équipements, mais aussi selon les classes. Les lapins, par exemple, très utile. De nettoyer ça, les cartes inutiles. C'est ce que je. Vous apprenez à chaque partie. Qu'est-ce que je fais? Bon, bah, YOLO. Bah, là, de toute façon, je pense que tu vas te faire J'ai étaler. pas le choix. Je crois que tu vas te faire étaler vu qu'il y a. Il n'a pas des dés qui se perdent dans le temps. J'ai aucune défense. C'est indécent, quoi. Indécent?
comme le dé. Non, j'avoue, c'est chiant. Et pourtant, j'ai 6 de fight. Hein. Le machin, il a 5 de fight, et pourtant, je me fais rétamer. Mais j'aurais eu toute ma vie, je me serais quand même fait rétamer. Quoi. Je sais, gain d'exploration. Flèche de Jeanne, mais en santé. Ah, j'ai gagné de la route, je suis à 3 maintenant. On y va, on y croit. Sauf pour Fang. Ah, quoi ? Idem, il y a une chance sur 6 d'avoir un bouclier, une chance sur 3 d'avoir une attaque. Favoriser des équipements de défense apporte des boucliers d'une base. Oui, encore faut-il en looter. Mais sauf pour Fang. Qui est Fang ? Je crois que c'est un des persos DLC peut-être. Hurlement lointain. Bon allez, on va faire l'apprenti vite. Je pense que c'est le genre de jeu, il est très long à bien comprendre, à bien maîtriser avant de vraiment pouvoir faire des parties intéressantes, je pense. Et encore là, on a quelqu'un qui nous explique des trucs, hein. Sinon il y a ça, des choses, j'ai toujours pas compris ce qui se passait. C'est quoi c'est Merci Poupoupidou. Incroyable. Fong est un loup qui peut annuler les dégâts subis s'il porte 4 coups en plus après la mort du personnage. Oh, c'est stylé ça. Après du coup faut pas tâter des dégâts quoi. Mais ça se fait hein. C'est nos brains, faut bourriner. Ouais, il faut que je chope ce personnage pour pouvoir jouer au jeu en fait. C'est pas un héros de DLC ça? Ouais, je crois que c'est le DLC bandit ou un truc comme ça, non? Oh là là. Oh là là. Qu'est-ce qu'il a fait? Ah, il m'a fait gagner un point de déplacement, cool. Oui, c'est un DLC. Voilà. Qu'est-ce qui se passe? Continue, ouais. Oh, une histoire bonus! Une histoire bonus! L'étranger regarde curieusement dans votre ombre. Oui, c'était là que le roi s'est d'abord tenu à Arnelon. S'est tenu la première fois. Attendez, d'où vient le roi dans ce cas-là? L'étranger regarde un chemin qui mène à un palais distant. Il se penche un peu plus proche, passe une carte dans le tas, dans les plis de son manteau. Désolé, faut que je traduise au fur et à mesure, c'est un peu compliqué. Et j'ai récupéré une carte téléportation, c'est stylé. Incroyable. On dit merci l'étranger, en fait il est sympa l'étranger, vous êtes des médisants. D'où tu me piques mes colonies? Je trouve ça assez peu urbain de ta part, je tiens à le dire. Qu'est-ce que je peux faire? Bah rien, t'as zéro. Je suis pas arrangé là où je suis. Donnez-moi une seconde pour réfléchir. 20 secondes. Bah, c'est ce qui avait marqué. Tu vas pas attendre quand même les 20 secondes. Ah d'accord. Ah bah d'accord. J'ai dit j'étais pas arrangé. Brun est l'un des persos les plus durs à maîtriser. Ah bah merde. Son décalement est crucial, mais une fois qu'on comprend son gameplay, il est tellement puissant. J'ai une pierre. Let my rule be heard. Beast of Pain. Il a ouvert les portes quoi? Fléau. Du coup il y a 3 nouveaux fléaux qui vont arriver. En gros c'est la merde.
Cela reste. Il y a les gardes, ils vont taquer là pour casser la gueule des. Voilà. Hein, n'est-ce pas des fléaux, oui. Incroyable ça. Avec toi, il est très bien comme ça. Ouais, j'avoue, je suis un peu choqué dessus. Là. Est-ce que du coup, si je fais le tour de la outée, je peux faire en sorte qu'il arrive sur toi? Peut-être, je sais pas. À voir. Hein. Après, il est sympa en vrai, hein. C'est un bon camarade. Morin se joue avec Réflexion, qui offre une carte de plus à chaque tour. Améthyste, un pack qui permet de gagner un point de magie par carte sort brûlée. C'est plus de cartes, plus de magie, plus de sorts à lancer. Comme son passif lui permet de jouer un point de force. Ah oui, en effet. En effet, en effet, en effet. Oh! Salaud. Incroyable ça. Tu t'es fait niqueti niqueta? Oui, oh, il m'a déplacé un peu. Tu as reçu une arme lourde, épaisse. Ok, yes. Non, non, il reste avec toi. Ah, il a de la chance dans ce jeu, hein. C'est incroyable. Hein. 9 points de force permanents grâce à cette méthode. Ah, d'accord. Stylé. Personne s'attaque à un gros nounours tout court. C'est mal de s'attaquer au gros nounours. Incroyable. Alors. D'accord, ok. C'est bien ça. Tu te prends de la corruption? Non, je me suis guéri de la corruption. Ah. Regardez ça en fait. On va faire ça. Pour l'instant. On va gagner de la thunesse. J'ai toujours des pièces d'or, je sais pas comment on fait. Ah oui, du coup, est un criminel recherché. Du coup, ce serait pas mal de péter la chaboue. Ah, il est chaud le rat là. La rate Bah écoute, moi je vais te dire la vérité. Moi je pense qu'on a fait le tour de ce qu'on peut voir dans la ref. Vu qu'en plus de ça, Poupi nous a pas mal aidé. Oui. Pas mal d'explications, c'était ouais. Bien sympa. Une explication par contre endgame, donc bon, ça va, c'est bon, tu la défonces là, non? Allez, attends, avec 2 dés, tu crois qu'elle va faire quoi? Eh, y'a moyen que je crame tous mes dés en pas attaque. Hein, c'est pas faux. C'est pas faux. Voilà, tu vois. Mais non. Mais tous mes dés, on servira à rien. Mais à l'aide. Non, mais... Les jeux de chance, j'aime bien parce que je perds tout le temps. Ah, elle récupère sur d'étrangers au moins, c'est toujours ça. Minute blague nulle, pourquoi les pyramides d'Égypte sont-elles prêtes pour Halloween? I do not know. Alors là, là je l'ai pas. Moi non plus. Blague de prof. This should be... C'est pas grave d'être prof, ça arrive à tout le monde. Ça arrive à tout le monde, effectivement. C'est un très beau métier. Tout à fait. Même si jamais on leur chie un peu à la gueule en ce moment.
Parce que ce sont deux kits. Oh putain. Ah. Parfait. Ouais. Parfait. J'approuve totalement la blague. Honnêtement, pour un ancien historien comme moi, j'apprends aussi. Je l'avais pas, tu vois. Alors. Non, mais la blague, quoi. Putain, le mec il va me voler mon. C'est toi qui a commencé. C'est le plus proche de ma vie là, de départ. Oui, oui, bah meurs pas. Ha! Lol, elle a laissé de me niquer. Mais tu sais qu'elle se régène là, hein, elle a 4 PV là. Ah, j'ai vu. Ah non, mais moi j'ai compris, hein, j'arrête d'essayer de combattre, j'ai 18 dés, mais ils servent à rien. Donc... Bah tu vois, là on rentre dans le. Je pense que ce qui a fait de mal à ce jeu en fait, pourquoi il est. Est pas aussi peuplé qu'à sa sortie, tu vois. Je pense que c'est cette phase aussi de frustration en fait au niveau du gameplay et ce qui est excessivement dommage en vrai. Enfin, y a de ça quand même, hein. Y a quand même pas mal de. Oh! Je sais pas. Après, dans le chat, vous pouvez, s'il y en a qui sont encore intéressés à part ce qu'on bave, dites-nous si jamais il y a un élément qui vous perturbe ou quoi, ça pourra aider pour le document qu'on va faire pour le refunding, qui sera d'ailleurs disponible sur le Discord d'ailleurs. De toute façon, on va en reparler après samedi quand on va coder, parce que tu vas faire quand même des présentations toi, en plus samedi. Oui, en présentation. Personne qui joue. Y a personne qui joue quoi ? Qui joue. Comment ça s'appelle ? Tu sais ce truc là, les pierres. Ah les pierres ? Oui, mais parce que t'as vu. Faut avoir les 4. On n'est pas bon aussi, il faut dire. Donc. Y a pas de chance qu'il y en a encore en face. A votre tour, Barnabas. Je m'inspire des dragueurs de rue, on a déjà félicité mes yeux, je cite couleur piscine municipale. C'est couleur piscine municipale, je connaissais pas cette couleur. Il y a pas si longtemps, un mec dans le train m'aborde avec un « Et toi ?» Alors toi, ouais toi là, tu viens d'Afrique ? Non, tu viens d'Afrique, là. Ben j'ai pas regardé, du coup je me suis fait « Ah non j'ai pas fait la quête !» Toujours avoir un spray au poivre, en effet, c'est sécurité avant tout. T'as pas fait la quête ? Non, non, parce que du coup j'étais en train de dire ce que disait Pipi. Et les frontières ajoutent. Non, mais je dis ça parce que tu me mets tout. Oh la vache. Oh la. Ah, c'est nul. Les frontières du mec. C'est oh, nul. Est-ce que tu l'as pepper spray quand même? Vas-y, pepper spray-le. Parce qu'il l'a mérité. Hein. Ah ouais, non, là, là, non, 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 là c'est. Faut pas, faut pas. Bah, de toute façon, de base, déjà, d'emmerder comme ça les gens dans la. Si en plus c'est pour faire des bugs de merde. Bah oui, non, mais sérieux quoi. À l'aide. T'as que deux points d'action ou c'est que t'as déjà bougé? Non, j'ai que 2 points d'action parce que j'ai un équipement qui me donne 3 de défense mais 1 point d'action en moins. Mais dis donc, ça t'a vachement servi contre le tour. Clairement, une réponse mesurée. Une réponse mesurée à toute épreuve. Je dois vous le demander, monsieur Hulor. Que devons-nous faire? Mais ouais, non, je sais pas. C'est. Je sais pas, je suis en train d'essayer de voir ce qu'on pourrait dire de plus. Ah, ok, t'es comme ça, toi, tu veux t'attaper le roi, toi. Parce que je disais, ouais, je sais pas trop ce qu'on peut en dire de plus pour la ref hunting. Pour le moment.
Ah mais, de toute façon, il me reste plus qu'un dé, je peux pas le faire en fait. Ah oui? Je sais même pas pourquoi j'ai cramé des trucs, quelle connerie. Ah, du coup, maintenant, ta tête est mise à prix. Recherche. Non, mais c'est génial, j'avais la clé du palace, mais apparemment, la clé du palace te permet pas de rentrer. Bah non, en fait, il faut que t'ailles la ch choper. Ah, je croyais qu'on me l'avait donné, moi. Hein. On me l'a donné ou pas? Le mec. Non, mais c'est fantastique. Hein. En ce moment, les développeurs bossent pour développer le jeu sur console et crossplay. C'est dommage qu'ils passent si tardivement durant cette période de Covid. Ouais, j'avoue que s'ils l'avaient eu avant le crossplay, puis du Covid, ça aurait été pas mal. Bah, ce que je comprends pas, c'est pourquoi ça n'a pas été déjà une de leurs priorités au début de faire du crossplay. Bon, là, normalement, je lui nique sa gueule, non? Bah, espérons. Comment ça se passe? Après, ne jinx pas le truc. Hein. Hey, drôle, non, la Klingas. Il faut se battre à un moment, t'es censé être garde du roi, pas petite gazelle de la forêt là. Alors, donc tu vois ce que dit Poupi, c'est exact. Je dirais que pour avoir une vision critique juste du jeu, il faut vraiment s'accrocher sur 20 à 30 heures minimum dessus. Ouais, un gros engagement, hein. Oui. 20-30 heures de jeu. Alors oui, si vous avez la clé du palais, vous devez rentrer par la bonne porte. Ah, ah d'accord, je me suis gouré de porte en fait. Tu peux du cul. Ok, ok, très bien. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que... C'est toujours la part face à la terre de votre clan. En effet, ça a l'air d'être ça. Elle a les ours, ils jouent full. Full patate. Ouais, ouais. Full patate dans ta gueule. La patate. Ah, j'ai plein de cartes à prendre là. Hein. Incroyable. On arrête de me faire chier un peu. Battle. Je pense que je vais me faire allumer si je vais voir le roi maintenant en fait. Clairement tout le monde se fait allumer si on va voir le roi maintenant. Alors là, faudrait que je turtle. Aïe. Damnation éternelle, je vais mourir. Bah, c'est un peu ce que t'es en train de faire là. Surtout que je crois que la rate elle va pas te lâcher. Hein. Voilà. Oh, ok, super. Ça sert à quoi ce coût? Je peux avoir coût jusqu'à la... au prochain tour, mais je. Je reviens 2 secondes, je vais juste prendre un truc. Je te laisse animer le bordel. Je sais pas ce que je fais. T'as déjà joué, hein? J'espère que t'as déjà joué, parce que sinon ça va être chiant. Bon, la partie se termine là normalement. En fait, il y a une astuce qui est utile quand une personne a la clé et rentre dans le palais. Il supprime le péril de la case du palais de manière définitive. Ah, donc si quelqu'un d'autre rentre par ce même endroit, il a pas le défi non plus en fait. D'accord. C'est bon à savoir ça en effet. C'est plutôt stylé. L'une des méthodes consiste alors à éliminer le joueur pour entrer gratuitement sans risque. Je comprends. Alors là, on va se friter avec le méchant. A priori, il va se prendre 8 dés de dégâts dans la gueule. Il ne fait aucun dégât. Et voilà, il se fait. Alors, Il y a un fléau qui a tenté de me tuer, mais c'était un échec critique parce que je suis devenu un tank. Je suis devenu un tank. Donnez-moi des chenilles. Alors, it is à moi. Boum. Tac, allez, on y va. Oh, le mec, il se cache. Oui. Nul. Oui. Allez, rate ton péril. Tu crames des cartes comme ça, c'est incroyable.
Hey, va te friter la gueule. Hein. Ah, t'as la clé aussi, toi? Ouais, normalement. J'ai un peu peu. Tu t'as pas assez de points de vie, recule. Utilise le flotteur. Il y a les deux gardes qui vont te tomber dessus après, tu vas te faire laminer. Mais non, mais non, mais non. Une sale histoire, quoi. Si vous avez la bataille, vous êtes bien traversé, celui-là. Alors attends, attends, attends. I have an ID. C'est une mauvaise idée. Qu'est-ce que t'as fait? J'ai changé mon équipement pour avoir un peu plus de trucs. On va de rentrer dans le palais de jour, la raison est simple, rentrer dans le palais. Une prime. Ouais, ok, d'accord. Donc c'est. Donc c'est moisi d'attaquer la nuit, très bien. Très bien. Alors que tu vois, moi, connement, je me dis, oh là là, hop hop hop, il faut attaquer le palais. Bah, t'y vas la nuit parce qu'il y a moins de merde. Intuitif un peu. On va s'amuser là. Oh, on ah va ouais s'amuser. J'ai reçu plein de cartes, je sais pas pourquoi. Ah ok. Ah il a que 2 PV le garde, le roi. Hein, ouais. It is faisable. Et est-ce que du coup si je rentre dans le palais, ça m'empêche d'utiliser mes cartes après ou pas? Non non si si tu peux les utiliser encore. Et voilà. Il s'avère que j'avais la clé du palais, donc pas de défi. Ouais, maintenant pareil, c'est passé aussi. Qu'est-ce qu'on fait? Les équipements, ils sont bien. Donc, on va faire ça. Ok, vas-y. Je te la donne de bon cœur. Puis ça. Ah, ok, t'es comme ça, toi. Mais t'es un vrai caca ambulant, en fait. T'as cru que j'allais te laisser attaquer le roi sous ma surveillance, comme ça? Que j'allais te laisser avec toutes tes cartes épées et boucliers, n'importe quoi. Ah ah, ça y est, je commence à comprendre la stratégie du jeu. Attends, t'as combien de PV là? Okay. Incroyable. T'inquiète, on va y arriver. On va y arriver. Je sais que c'était ballsy as fuck. Ah non, mais ça se tient, ça se tient. Ah, 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 ah. Mujata. Putain, la vache, le nombre de cartes. Il croit pas pouvoir m'attaquer. Attaquer, vous auriez jamais dû. Amateur. J'ai dit que j'étais un tank. J'ai un canon de 76 mm. Ah, il fait quand même 4 attaques, hein. Il essaye. Hein. C'était oh, mine. Bah, regarde ce que tu fais là aussi, là. Tu overkill. Annihilation. Annihilation. Bim, moins 12. Le prestige, c'est pour les amateurs. Avec ton truc, tu m'as foutu dans une de merde. La gueule. Mais ouais, il me reste plus qu'un PV là. J'espère tellement qu'il va te défoncer. Non, il m'a piqué des cartes. Allez, je crois en toi, Barnabé. Barnabé, inspecteur Barnabé, tu donnes tout. Non, on n'est pas trop en acte. Tu vas l'avoir là, tu vas l'avoir. Ouais, pas mal, pas mal, ça passe.
ça peut faire des dégâts, Son. Moins 5 ou moins 12, on sait qui c'est qui va tuer le roi, quoi. Dis donc, je ne vous permets pas, mon cher. Ah, c'est le tour de Barnabé. Impossible ici, mais non. Mais non. Il le tente, le mec, il le tente. Impossible, mais non. Ah non, mais t'es dans le... T'es dans le... Bon, écoute, t'es attaqué le roi. C'est tout ou rien. Zéro, réfléchissez bien. Ah. Oui, non, mais c'est tout ou rien. On fait la broutille. A dit le pourquoi il fallait pas s'attaquer au roi. Oui, oui, je sais, mais bon, voilà, hein, je... On n'est plus à ça près. J'ai pas vu les cartes qu'il avait, ce que c'était. Allez. On essaye. Pas mal. Ah, tu me niques là, non? Non, je crois pas. Non. Ah, de peu, hein? Ah, si! Ah, si, si, si. Bien joué. Bien joué, t'es arrivé à temps. Je suis un traître. Quelle déception. Quelle déception. Barnabé utilise. L'exploser. Ah, bah, quand je t'ai vu là avec tout ton tanking, je me suis dit non, mais je peux pas, tu vois. Bon, on a pris un petit plaisir de plus quand même par rapport à la deuxième partie. Avec beaucoup d'explications, ouais. Avec beaucoup d'explications. Merci. Bah écoute, ok, super, je suis écuyer, je m'en fiche. Hop, résistance, allez hop. Donc, ok, ouvrir le coffre, on va voir. Faisons le truc à gacha là. C'est pas vraiment un truc à gacha, mais. Waouh! Un dé citrouille. Du coup, avec ces coffres là, ça marche alors que les coffres d'or, ça ne marche pas. Écoute. Ok. Au revoir, coffre d'or. Continuez. Ok, très bien. Alors. Maintenant qu'on a fait tout ça, on a fait nos deux games. Soyons clairs. Soyons clairs, soyons clairs, soyons clairs. Donc, du coup, je récapépète. Donc, pour les conditions de victoire, on a vu du coup le prestige ou victoire par défaut. Tuer le roi. Ce qui peut aussi du coup se coupler avec. Avec une option, tu sais, corruption, quoi. En gros. C'est ça qu'on a vu aussi. Il y a un bug, mais il se glitch facilement. Ouvrez et fermez la boutique à gauche de l'écran, sous le lézard. Puis ouvrez vos coffres dans l'inventaire. Ah ouais, non mais, oula vache. Il y a tellement de techniques dans le jeu. C'est ce qu'il est, dis donc. Donc, on a aussi le soigner avec les pierres. Donc ça, on a vu. Donc on disait avant que les victoires étaient mal équilibrées dans un premier temps, avec un build de pré-match quasi inexistant pour les builds de deck building. Le prestige étant la victoire la plus safe, slash par défaut. Mais je pense que cette victoire là, maintenant en rétrospective, on peut la mettre en mode si jamais tu joues avec des gens de notre level, c'est-à-dire des couvreurs du fin fond du slip, quoi. Parce que moi je pense que si par exemple tu en jouais avec Poupy ici présente, je pense pas qu'elle nous laisserait faire de la. Tu sais, faire cette victoire la plus safe de façon. Bah, safe du coup. Je pense qu'elle nous attaquerait et tout ça. Mais. Je pense qu'il y a plus de jeux entre les. Entre les joueurs. Ouais. Quand tu connais un peu le jeu, parce que c'est vrai que là. Et comme elle disait, du coup, il faut mettre ça en perspective en disant que bah, c'est 20h, 30h minimum pour connaître un jeu, tu vois. Mais c'est 20h, 30h minimum pour apprendre des strats un peu plus avancées, pour les machins. Mais il faut aussi prendre en compte énormément quand même la frustration de début de game, en fait, je pense, aussi. Des débutants. Ouais, des débutants, ouais. Parce que c'est ce qui va faire que les gens restent ou pas, en fait, au final. Parce que bon, Poupi, qu'est-ce qui t'a donné en fait? Ouais, c'est ce que j'avais demandé. Hein. Qu'est-ce qui t'a pourquoi donné l'envie? Ben voilà, de rester dans le jeu, comme dit Hulor.
laisse juste le temps que... d'entendre et de répondre. Ouais, parce que bon, le temps de stream, je sais pas combien de temps c'est, si jamais c'est 3 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Il y a un petit délai, hein. Oui, il y a un petit délai, mais bon. Oui, c'est de l'ordre de... J'aime les jeux de plateau, je sais que les plus intéressants sont réparbatifs au début. Alors, bon. D'accord. Poupi, pour mettre ça en dégalé, nous aussi on aime beaucoup les jeux de plateau. On fait aussi pas mal de JDR entre nous. Mais tu vois, même avec ce background là, je t'avouerais, Poupi, que perso, à part la DA qui est un peu sympa, machin et tout, moi je trouve quand même que c'est assez un petit peu. Comment dire? Est-ce qu'il n'y aurait pas un autre truc qui a fait que t'es resté? Parce que le jeu de plateau, d'accord, mais je sais pas pour toi, Ulor, hein, mais pour moi, je trouve que. Je pense qu'il y a un peu de ça aussi qui m'a freiné dans cette envie de continuer le jeu un peu plus loin et découvrir ces strates un peu plus poussées, on va dire. Qu'est-ce que t'en penses? Bah, après, moi, comme je te disais, c'est pas forcément le genre de jeu auquel je joue. Ah oui, c'est vrai, t'as dit ça aussi. Habituellement. En jeu vidéo, hein, justement. Oui, en jeu vidéo. Donc c'est pas force. Enfin, je suis pas du tout la cible de ce genre de jeu. Mmh. Ce qui fait que je suis pas resté pour ça. Après, le peu de temps que j'avais été, j'avais assez apprécié, mais rien ne m'avait accroché, quoi. Il y avait rien qui t'avait accroché? J'avais pas la volonté de, comment dire, de découvrir plus de quêtes ou de voir toutes les cartes ou ça m'intéressait pas spécialement. Alors je sais pas s'il y a peut-être ça qui retient les gens de voir toutes les cartes possibles, de voir tous les builds possibles, sachant que du coup c'est pour le coup c'est un peu genre en fait c'est un peu du deck building mais roguelike, quoi. Ouais. Chaque fois que tu relances une partie, t'es obligé de reconstruire ton deck, quoi. Après, les cartes sont communes, tu vois, c'est pas comme si... Oui, tout le monde a les mêmes cartes, donc c'est pour ça que c'est un peu du roguelike, tu vois. Tu peux tomber dessus ou pas. C'est un peu... Après, il faudrait voir combien de cartes tu as pour la probabilité, tu vois, les chances de tomber dessus. Je me dis que le jeu ne peut pas être si foireux que ma première partie m'en avait donné le sentiment. Eh bien, c'est très optimiste de ta part. Oui, t'es une battante, hein, pour le coup. Donc j'ai voulu tester ainsi de suite. J'avoue aussi que le perso m'a aidé à voir certains que j'ai joué. Le niveau des persos, du coup, une forme de grinding, quoi. Je pense que c'est plus une masterisation du perso, tu vois, de ses stats, slash le build que tu fais pré-match avec les amulettes et les bagues, je pense. À moins que ce soit pas ça, Poupie, mais c'est cette impression-là, au vu de ce qu'on a testé. À moins que tu aies une autre information que on ne connaît pas. Parce que c'est ce que tu disais d'ailleurs pendant la partie, Ulor, que t'aimais pas. Voilà, et ça c'est un truc que tu détestes. Bah, typiquement, il y a des trucs, c'est un peu frustrant. Hein. Typiquement, avoir une carte qui te donne scout pour un tour, sans te dire ce que c'est scout, ça m'intéresse pas des masses. Je suis d'accord là-dessus. Chaque niveau offre des bagues, des coffres et des skins. Ça m'a accroché. Ouais, donc c'est ce qu'on a vu là fin de la partie où on gagne de l'XP qui débloque. Donc ça rejoint un peu ce que je disais, mais c'est vrai que j'avais oublié cet aspect-là où il faut le grinder pour avoir d'autres équipements et tout. Alors, ça me parle pas du tout. Hein. Bah en fait si c'est première partie. Oui, sur les premières parties, t'as bien vu qu'on avait que dalle par exemple à custom réellement, on avait quoi, les deux bagues de début et c'est tout en fait. Ouais, non, mais je veux dire ce truc de niveau, ça ne me parle pas. Bah j'avoue que sur un jeu de plateau, moi je j'aime pas trop cette ambiance, tu vois, de niveau. Dans le sens où à la sortie, quand j'y jouais, je me souviens pas qu'il y avait ça. Tous les mots sont explicites. Expliquer, si vous cliquez sur une carte, elle se fixe. Ah d'accord, ok. Oula. Apparaissent, d'accord. Donc moi j'essaie de mettre le curseur en regardant le... Oui, directement sur le mot, quoi. Sauf que ça ne marche pas parce que la carte n'est pas sélectionnée. D'accord. Et d'ailleurs, quand la carte restait au milieu de mon écran, je croyais que c'était un bug. Donc. Oui. Donc ok, bah, je vois, tu vois. Bon, après, voilà, c'est aussi le fait que personne ne nous le dit, je pense que ça peut être dit dans le tuto. Et par exemple, tu vois, typiquement, nous. T'as dit dans le tuto. Nous, nouveaux joueurs, on arrive, on se fait. Ok. Le tuto est naze, Voilà, oui, il y a aussi quand même ce. Refaisable ou pas? Oui, je crois qu'il est refaisable. Prologue, ouais. Ouais, il y a le prologue dans le solo.
Donc du coup, avec ça, on avait aussi parlé de l'interface d'un jeu de plateau qui combine les cartes et les dés. Donc, ce que tu disais à la première game, c'est pourquoi les quests usent pas les dés comme le reste du gameplay, c'est-à-dire qu'on a cette espèce de roulette russe qui tourne et tout. En gros, jamais tu choisis en fait d'avoir la récompense en plus, tu vois. Toi comme moi d'ailleurs, Ulor, c'était un peu posé la question de pourquoi pas réutiliser les dés, pourquoi remettre un autre espèce de mini-game alors qu'ils avaient tendance à utiliser tout le temps les dés partout, tout le temps, et du coup je trouve que c'est un petit peu. Tu vois, ça bizarre par rapport à la direction du gameplay qu'ils avaient pris pour tout le reste des cartes et des. Qu'est-ce que t'en penses? Hein? Ulor. Pardon? D'accord, donc c'est bien ce qui me Juste un semblait. truc. Non, je Dis-moi un disais truc. cette espèce de roulette russe là, des quêtes. Oui. Qu'on avait trouvé Ah, ça bah ça bizarre m'a qu'ils saoulé. n'utilisent pas les dés. Ouais, voilà. Bah, moi j'admets que c'est pas un truc qui m'a fait excessivement plaisir, comme petit mini-jeu là. Bah, en fait, le truc, c'est que c'est un mini-jeu où littéralement tu peux pas suivre la position d'un truc en fait. Donc il sert à rien en fait. Ouais, voilà, C'est c'est le. juste de choisir entre, je sais pas, 10 cases et t'as 4 chances sur 10, 6 chances sur 10 selon la difficulté du truc. Et du coup, enfin, je vois pas l'intérêt de montrer. Enfin, si, ouais, si ça te montre les chances à la rigueur. Mais c'est pas intéressant, je trouve. Après, toi, elle a une. Alors, Poupie a une explication. Bah, pendant que tu donnes l'explication, Poupie, on veut bien la lire. C'est pas un problème. Bah, c'est déjà mis. Les périls sont de 4 types. Périls de combat, de ruse, de magie et de vie. Et donc, la quantité de dés pour résoudre le péril va dépendre de votre classe, ainsi que vous pouvez choisir sur quel péril vous acceptez de relever. Oui, Ah oui, donc. c'est pour le péril, oui. Oui, ça c'est pour les périls. Mais nous, on parle des quêtes, des récompenses, tu sais, de quêtes. Tu sais, quand tu vois, il faut que tu sélectionnes une quête. Il y a deux choix à la fin d'une Oui, quête, c'est soit c'est. prendre le mode safe, soit Ouais. tenter un défi et Pour avoir la espérer récompense. avoir un cadeau en plus. Et d'ailleurs, si tu le foires, je crois que t'as rien du tout. Non, tu récupères quand même le truc de base. Sauf que Ah, t'as la tu place quand même? as. Ouais, mais tu as quand même moins 1 de PV ou moins 2, ça dépend de la quête, en vrai. Mais quand même, enfin moi je trouve qu'en plus de ça, c'est peut-être l'une des rares options pour avoir un follower avec soi, tu sais, qui est quand même une autre mécanique de gameplay, d'équipement. Super difficile à avoir un follower, c'est Et vrai. D'ailleurs, c'est peut-être à noter ça. ouais, c'est les. Le type de carte follower qui est un peu. Comme ça, tu vois, c'est les différents types de cartes, tu vois. Ça, on y reviendra après. En tout cas, pour l'interface d'un jeu de plateau qui combine des cartes et les dés, c'est pas que ça me dérange qu'il y ait le mélange des cartes et des dés, mais moi je sais pas, je le trouve un peu timide sur certains points. Et d'un autre, je le trouve trop random quand il faut éviter un peu trop d'être random, tu vois, ce genre de truc. Enfin, je sais pas, j'ai pas vraiment l'impression que l'RNG est vraiment fair, tu vois, c'est pas vraiment comme un simulateur de lancer de dés, c'est vraiment. Je sais pas, c'est ça me paraît bizarre, tu vois, dans la mécanique, dans le feeling et tout. Qu'il fallait s'accrocher au carac. L'objet, c'est un bonus. À vous d'accepter ou pas de tenter le bonus, mais rien ne vous y oblige et vous ne serez pas pénalisé de refuser. Oui, ça on sait, mais c'est pas ça le problème en fait. C'est la roulette russe en fait. C'est le mini-jeu en lui-même en fait. En tant que. En analysant le truc, on voit pas l'intérêt. On voit pas le pourquoi en fait. Par rapport au reste, c'est en reste de cohérence, on va dire, du gameplay d'avant en fait. Après, c'est aussi un parti pris, hein. Je veux dire, pour le coup, visiblement, Ulor et moi, on est d'accord sur ce point-là que bah, ça dénote un peu avec le reste du gameplay en fait qui est proposé dans le jeu en fait. Pourquoi je dis tout le temps en fait? Assez perturbant. Enfin bon, moi c'est ce que j'ai à dire sur les cartes et les dés, hein. Je crois que le résumé, c'est vraiment le feeling au final. Il est pas trop au rendez-vous avec moi en fait. Moi j'ai envie d'aimer. T'as envie, mais est-ce que tu Ça aimes? marche pas. Voilà, c'est ça le problème. Il y a un truc qui va pas et à mon sens ce qui va pas c'est un peu l'équilibre carte dé qui fonctionne. Enfin qui pour moi ne fonctionne pas. Mais après c'est probablement parce qu'on connaît pas assez bien le jeu aussi.
Il y a de ça aussi, oui. Ce qui fait que du coup, bah, peut-être qu'ils auraient peut-être justement dû mettre des decks différents entre le deck novice, amateur, expert, quoi que ce soit, et du coup avoir bah, une répartition différente de, Je vois, je vois. par exemple, de cartes épées, cartes bouclier, et pas trop de cartes lune et soleil au début, puis tu rajoutes de plus en plus de cartes variées, je sais pas. Mais ça aurait été une possibilité, je pense. Pose la question inverse, comment aurait-il pu faire s'il n'y avait pas ce mini-jeu? En utilisant les dés, En utilisant les deux, comme pour les périples ou les ruses, mettre voilà les symboles des dés là qui y tiennent énormément à chaque fois, et de faire que bah voilà, ça aurait déjà été plus logique, et en gros du coup ça rajouterait encore plus cette la mécanique de pouvoir se défausser des cartes qui sont hyper relous en fait à chaque fois qui occupent la main alors que tu peux pas t'en. Enfin bon, moi j'ai eu moins cette impression là vu que j'avais pris Barnabé. Donc du coup avec Barnabé voilà typiquement je pouvais changer tu sais d'équipement donc je m'en foutais un peu. Mais honnêtement avec Tan moi il m'a saoulé le fait que je pouvais pas enfin j'étais bloqué avec mes cartes et ce que tu avais eu d'ailleurs à la partie d'avant aussi. À tous les joueurs, il y a donc à compter les cartes pour savoir ce qui reste en jeu. Ouais mais Faut les connaître les cartes, en c'est fait, ça. c'est Nous on fait en fait le tout deck, c'est compliqué quand même. c'est ça. Nous en fait les refhunting c'est vraiment juste on prend le jeu comme première expérience, quel est le feeling, les mécaniques parce qu'il faut aussi voir quand même le mécanique de base pour notre projet. Donc du coup c'est là-dessus où on est en fait. C'est qu'on on analyse ça. Post première expérience en fait. C'est pas le but n'étant pas de persister dans le jeu et de déconstruire. Sinon en fait bon là clairement on serait une chaîne juste gaming en fait à ce moment-là où on se ferait ou sinon c'est que ça veut dire que notre jeu est excessivement proche du gameplay d'Armello et donc du coup bah oui là on creuserait un peu plus la chose évidemment. Mais là le but c'est aussi de prendre quelques références, analyser ce qui marche pas. Enfin en tout cas pour nous notre feeling. Et par rapport à ce qu'on veut en retirer, parce que aussi il y a quand même toute notre approche, toute notre analyse est tournée sur par rapport à notre jeu. C'est il n'y a pas que seulement l'expérience de jeu, comment on sent ou quoi. Parce que typiquement, si on en parlait comme ça de façon très casual, moi perso, de temps en temps, un soir, si on s'emmerde un peu, Hulor, ça peut m'arriver de te dire, eh viens, on se fait une partie d'Armello avec les copains. Comme ça, pour déconner, parce qu'on n'a rien d'autre à Ouais. faire. D'où l'importance d'avoir un minimum d'heures de jeu sur ce qu'on dit. Il est regrettable qu'un jeu comme Armello qui a tellement de potentiel ce soit plus. Oui, justement, c'est C'est ça le là-dessus où je problème. pense qu'ils auraient probablement pu rendre les premières heures plus accessibles avec des decks plus épurés, peut-être. Même voire Moins carrément, tu vois. lourds, moins complexes et du coup, bah, bien stabiliser les mécaniques les unes après les autres pour que la personne comprenne bien comment tout fonctionne, C'est ça. tout s'enchaîne avant d'avoir un vrai deck dans les mains entier avec 6 phases différentes, machin, tout ça. Enfin, je pense. Enfin, ça se tente, après, c'est compliqué de voir ce que ça donnerait réellement sans avoir Alors, la. pour enchaîner, on avait mis dans les points à analyser avant d'y jouer le système de monnaie, le PO. Parce que vu que dans notre jeu, on aura quand même un système d'argent, enfin de points en gros à dépenser pour acheter des améliorations, des équipements pour les héros qui partiront dans le donjon, par exemple. Il y a eu, moi, tu vois, moi, dans mes souvenirs. Je ne me rappelais pas que les PO étaient en fait une espèce de forme de stamina ou de mana en fait. Tu vois? Après, j'ai pas été si désorienté que ça, parce qu'avec l'habitude, on se dit, bon bah ok, d'accord, c'est une forme de mana, vu que c'est ce qui. Certaines cartes pompent dessus. Oui, t'as les taxes, t'as les machins, t'as les russes, t'as les trucs. Mais en vrai, je m'attendais peut-être plus à un terme conventionnel des PO. Que ce qui a été proposé. Bon, après, ça peut être aussi un très gros point fort du jeu, c'est qu'ils utilisent des PO non pas seulement pour la chose basique d'acheter des trucs, mais plus comme une jauge à dépenser un peu. Ou alors, par contre, je me suis jamais retrouvé en starve de PO. Ouais.
Mais en même temps, de tous tes jours. Je cherchais pas non plus, tu vois, à avoir des basements ou quoi que ce soit, tu vois. Oui, mais attends, il y a aussi le truc, un autre truc quand même à se dire, c'est que par exemple, si tu vois, on aurait joué contre Mercurio, qui lui, par exemple, a l'habilité de, dès qu'il te prend une colonie, il te chope. Déjà, il gagne un PO, mais il te chope un PO en fait, à toi, si jamais elle était à toi la colonie avant, vu qu'il te la vole. Peut-être que dans ce cas-là, on aurait été starve en Et PO. je t'avouerais que t'es starve en Encore PO, que, si jamais le mec joue concrètement, comme tu vois, ça. là, sur cette partie-là, j'ai dû prendre, allez, trois colonies. Oui, voilà ça. Trois colonies, à la fin, j'avais 12 pièces d'or. Je savais plus quoi en faire, encore une fois. Mais après, pour contrebalancer ce que tu dis, pour faire un peu l'avocat du diable, est-ce que tu as été starved d'une de tes ressources, c'est-à-dire tes points de La magie mana, ou... ouais. La mana, je me suis retrouvé à un Ouais. moment où je pouvais pas caster. J'ai dû attendre le tour suivant. Oui, c'est ce qu'on disait, Poupie. Effectivement, les PO n'ont pas les mêmes mécaniques, encore une fois. Comme tu dis, si vous êtes des rats, vous avez un avantage énorme sur les ruses, mais pour nourrir votre moulin. C'est la même pour les ours avec la magie, sauf que la magie est passive. Vous aurez toujours votre pool de magie chaque nuit sans que personne ne puisse rien y faire. Voilà, c'est ça le truc. C'est que, en fait, c'est peut-être la seule jauge, on va dire. Parce que moi, maintenant, franchement, les PO, je vais les appeler les jauges. Hein. C'est une jauge qui est starvable. Mais il faut que tu t'attaques à la. En gros, c'est une action délibérée de starve le mec, de l'étrangler en termes de PO. Alors que les autres jauges, par exemple, comme la magie, comme disait Poupie. La nuit, ça se régénère, à moins qu'il y ait quelqu'un qui... Enfin, en fait, non, il n'y a rien à faire en fait contre ça, il me semble. A priori, non, de ce que Poupy dit, il n'y a rien à faire. Mais c'est là-dessus où justement, est-ce que du coup il y a besoin de deux jauges différentes ou est-ce que chaque perso devrait avoir une jauge ou l'autre? Est-ce que ça fait sens que tous les persos aient les deux si au final certains persos se jouent au PO et d'autres se jouent à la magie? Et entre guillemets, c'est comme ça et c'est marre. Ou peut-être qu'il faudrait bah, en fait le choisir au début de la game et du coup ça met un deck ou pas l'autre. C'est ça. Après, ce que tu dis, Poupie, ça, tu vois, c'est une technique que tu connais avec plus de deux games dans les pattes aussi. Hein. Faut contrebalancer ça. Mais je comprends tout à fait que oui, du coup, tu as une strat avec Mercurio à faire ça, machin. Mais en termes de gameplay, perso, je suis d'accord avec toi, Ulor, quand tu dis que. Enfin, ce que tu viens de dire, en fait, je vais pas paraphraser, parce que ce que tu as dit, j'étais quand même d'accord avec ce que tu as dit. Pas besoin de le répéter 5 fois, mais voilà. Tu comprends ce que j'essaye de dire. 80 heures de jeu sur un mélo. Mais oh là là, la malade! Éternel. Mais tu vois, typiquement, je pense que je retenterai un petit peu d'Armello en off-stream pour voir ce que ça donne en fait en fin fond du truc. Si jamais la récompense de quand tu arrives à master un minimum des strats du jeu, est-ce qu'il y a une espèce de reward, le sentiment que tu as réellement avec ça ou quoi? Ou est-ce que ça va juste me frustrer de plus en plus parce que j'arriverai pas à comprendre les strats ou quoi? Parce que ça peut arriver. Je sais pas. En tout cas, pour les PO, moi c'est tout ce que j'ai à dire. Et toi, Ulor? Non, bah, je pense que j'ai dit ce que j'en pensais déjà. Enfin, c'est une ressource qui, pour le coup, j'ai l'impression que si on n'utilise pas les persos qui en ont besoin, on l'utilise pas vraiment, quoi. Du Et coup, après, bah, pour rebondir sur ce que Poupy yes. disait, les deux jauges se remplissent pas de la même manière. Oui, en effet, elles n'ont pas les mêmes règles. Et c'est là où, justement, c'est intéressant d'avoir des persos qui ont des jauges différentes. C'est ça, ouais. Parce que, du coup, ce sera des persos qui vont jouer différemment. La mana, a priori, de ce que j'ai compris, elle se régénère toute seule la nuit. Par contre, elle a un cap. Elle peut pas dépasser la magie du personnage. C'est ça, On ouais. peut pas avoir plus de 8 de mana si on n'a pas les compétences adéquates ou quoi que ce soit. A contrario, les PO, on peut en avoir autant qu'on veut. Par contre, on peut se les faire choix. À mon sens, c'est intéressant d'avoir justement les deux choses, mais complètement distinctes, sur des persos distincts qui fonctionnent pas de la même manière. Après, si on peut passer à la suite, bon, le système de tuiles, très brièvement, en vrai, en fait, c'est fixe, c'est ça mon problème. En fait, je crois que ces tuiles, en fait, il y en a. Il est pas adapté au projet qu'on a en Ah oui, non, France. donc c'est pour ça que j'ai pas vraiment envie d'en parler. Parce que, vu que c'est Oui, pas il du tout la même marche. chose. Pour Armello, il marche bien parce que Oui, c'est pour Armello.
Ça te fait te poser des questions de est-ce que je me crame un AP et je m'évite de perdre un point de vie ou un truc comme ça? Qui fait que ouais, les déplacements, on les pense pas en ligne droite et tout ça marche assez bien, je trouve. Je pense être constructif, c'est que je vous guide dans une partie en vous expliquant pourquoi faire ceci ou cela. À ce moment, vous allez réaliser que le RNG est maîtrisable. Que le jeu s'ouvre sur une myriade de possibilités, mais que personne ne vous guider, vous allez apprendre aussi, mais vous perdrez tellement de temps. Carrément. Ça peut être carrément intéressant. Yes, effectivement. Bah comme tu veux, parce que après il est déjà minuit 2. Ouais, moi je vais pas rester beaucoup plus longtemps. Oui, parce que toi tu bosses demain en plus, c'est ça le pire. Tout à fait, et puis on est à 3 heures de stream quand même. Ouais, exact. On peut faire ça une prochaine fois par contre. Clairement. Off-stream peut-être même. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais. Après Poupie, n'hésite pas à rejoindre le Discord. Tu le trouveras dans la bio. Il y a le link avec nos différents trucs. Mais vite fait, du coup, juste pour clôturer la chose. La système de sélection de héros, bon, j'ai rien à dire là-dessus parce qu'en fait ça ne colle pas du tout avec notre projet. C'est pareil que pour les tuiles, c'est un gameplay propre à Armello, chose qu'on va pas pouvoir exploiter dans notre jeu en fait, parce que les stats seront pas pareils, vu que le gameplay n'est pas pensé pareil. Donc, du coup, bah, fatalement, la sélection de héros, on peut pas vraiment en dire grand-chose à mon humble avis, à moins que tu aies quelque chose à dire là-dessus. Sur la sélection de héros? Ouais. En fait, le truc, c'est que bah, sur l'interface, il n'y a pas grand-chose à dire. Elle marche assez bien. Elle est assez succincte. Après, sur le lancement de partie, le fait d'être timé, alors je vois l'intérêt. Mais alors, du coup, vu qu'il y a beaucoup d'informations sur un personnage, c'est un peu stressant. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui. Alors, typiquement, la première partie, j'avais pas eu le temps de vraiment bien être sûr du perso que je voulais prendre. Après, pour pas faire l'imbécile, on aura quand même un moment un peu timé, quand même pour notre jeu aussi, vu que pour la sélection des Non, 4 mais héros. c'est ce que je dis, hein, c'est Ouais. ça fait sens que ce soit timé. Mais là, dans ce cas-là, moins. Du coup, les informations sont peut-être pas forcément bien mises en avant. On a toutes les informations de oui, bah voilà, autant d'attaques, autant de body, autant de spells et tout ça. Enfin, ce qui fait que du coup, il faut déjà en fait process un peu ça. Alors que rajouter juste une phrase à base de bah voilà, personnage assez polyvalent, plutôt tanky, plutôt spell, ça donnerait déjà une idée un peu de qu'est-ce qu'on va avoir en fait, sans avoir à lire toutes les caractéristiques. Oui, d'accord. Oui, Poupie, c'est vrai qu'au bout d'un moment donné, tu connais tellement par cœur les persos que oui, tu passes 2 secondes dessus, c'est clair. Forcément, les persos, au bout d'un moment, on les connaît tout ça, mais Ouais. c'est vrai que sur une première approche, Ça en brûle, fait, quoi. ça demande un peu à l'utilisateur de lire toutes les fiches de perso avant de lancer une partie. Ce qui fait sens, parce que comme on le disait, bah, c'est un peu un jeu de plateau, et dans un jeu de plateau, c'est ce que tu ferais. Sauf que bah, c'est un jeu vidéo, donc il faut quand même un peu C'est ça. par la main. À mon sens. Voilà, non, mais c'est clair. Là-dessus. L'organisation de l'écran, ça, par contre, on pourra le revoir aussi off-stream, mais ce sera quand même sur le document qu'on va mettre. Donc, ça, à la rigueur, on n'a pas besoin, à moins qu'il y ait quelque chose vraiment de particulier. Les tours de jeu et actions possibles par joueur. Il n'y a pas de limite de carte, c'est intéressant. Ça permet de lâcher vraiment sa main. Pas de limite de carte, qu'est-ce que tu entends par là? Parce que quand même, tu es limité par rapport à la stat qui fait que tu peux avoir que tel nombre de cartes. Limité par le nombre de cartes que tu joues. D'accord. Tu peux jouer toute ta main si tu as envie. Si par exemple tu as des cartes entre guillemets compatibles entre pièces d'or, mana et je sais pas quel autre truc qui peut lancer une carte, genre la corruption. D'accord.
Ce qui fait que tu peux vraiment passer de 5 cartes en main à 0 sur un tour si tu le décides. C'est assez intéressant pour te défausser rapidement et balancer un truc enfin, pour te reconstruire au tour suivant, quoi. C'est ça, ouais. Je suis d'accord. Après, je sais pas si ce serait trop adapté pour nous. Ça dépend parce que vu que il y a, en fait, justement, c'est ça aussi qu'il faudra peut-être qu'on réfléchisse un peu par rapport au gameplay qu'on doit faire. Je pensais sincèrement essayer de trouver un moyen qui ait vraiment des cartes à jouer en fait, que ce soit pas juste j'avance, je poutre, tu vois. Parce que dans un premier temps, de la présentation qu'on s'est faite vite fait, le projet en mode œuf quoi qu'on a, parce qu'il est même pas en alpha. En termes de gameplay, bah, il faut qu'on pense aussi à qu'il y ait quand même cette impression de jouer des cartes, d'essayer de faire des combos, tu vois, des trucs comme ça. Et pas. En fait, est-ce qu'on fait vraiment dans un deck building minima, où genre, tu vois, tu construis ton deck dans la partie, ou c'est juste tu t'autorises des actions parce que tu les as achetées et tu as réussi une quête, en fait. Tu vois, il y a tout cet aspect-là aussi que je pense qu'il faudrait que réfléchir sur le long terme. Tu vois ce que je veux dire? Ben c'est sûr que la boucle de gameplay va falloir la définir assez vite, on va. Enfin, la boucle de tour principale, faut l'avoir. À savoir si par exemple on peut se déplacer plusieurs fois. Voilà, c'est ça, ouais. Là, comme ça, à chaud, je dirais non. Ouais. Mais. Enfin. Ouais, du coup, chaque héros aurait le droit à un déplacement. Moi, personnellement, je mettrais deux actions, un déplacement, une carte ou deux déplacements. En sachant que quand tu disais qu'on n'a pas forcément, enfin, qu'il nous faudrait des cartes à jouer, machin, tout ça, et des pièges, des tricks de un mélo. Ouais, je vois. Après, est-ce qu'on pourrait genre placer sur une tuile distante, est-ce qu'on est forcément sur la tuile ou la tuile où on est? Ouais, c'est ça. Dans les parties de mon niveau, on poutre que si c'est. Porte un intérêt direct, il y a rarement plus de 3-4 morts par partie dans mon bracket. Ouais, donc il y a moins d'interactions de fight en fait entre les joueurs, plus le niveau est haut quoi. Ce qui fait, comment dire, un peu. Top sens. Oui. Ça fait un peu plus plateau. Plus maîtrisé quoi. Ouais. Alors que bon, la LIA concrètement, si elle passe trop près de toi, elle essaie de se friter avec toi, Ouais, quoi. c'est ça. Et plus D'ailleurs, d'interactions. ouais, faudrait. S'il y a un truc qui serait intéressant qu'on n'a pas veillé, c'est les IA. Ouais. Est-ce qu'elles définissent une victoire et elles la poursuivent du début à la fin? Ouais. Ou est-ce qu'elles changent de comportement en fonction de ce qui se passe? Moi, je pense que. J'ai un peu l'impression qu'elles savent pas trop où elles vont, les IA, mais... C'est ça. Mais après, moi, je pense que pour notre jeu, de toute façon, le but étant qu'on peut les faire continuer, en fait, si tu veux, dans une type de victoire, en gros. Si jamais, genre, tu joues à l'IA. Histoire de pousser les joueurs, en fait, à jouer un peu plus en ligne ou en coop, tu vois ce que je veux dire? Dans l'idée, si on devait vraiment sortir le jeu et tout. Moi, je pensais plus, tu vois, et faire, bah, en gros, et essayer de péter le boss, point barre, en fait. Alors que j'avais pensé à un type de victoire où, en gros, tu détruis la guilde adverse par des méfaits ou, tu vois, leur mettre des bâtons dans les roues pour que les tâches deviennent très vite difficiles. Pour que, après, bah, du coup, bah, il perd tous ses héros, et une fois qu'il a perdu tous ses héros, bah, du coup, il n'y a plus de guilde. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Sont ultra agressives, elles ont un. Elles Ils sont sont très mauvaises. meilleurs. Il est facile de deviner leurs actions. Si elles ont la possibilité de vous frapper, elles le feront. Ce qui est complètement idiot dans 80% des cas. C'est ce qui m'a semblé, hein. C'est ce qui me semblait un peu. Ouais, parce À chaque que. fois qu'on était trop proche, on se prenait un taquet. Il y a aussi le fait que moi je trouve que vu que les combats. En fait, je pense que c'est aussi un peu à la faute du gameplay en gros, de rendre les combats en fait un peu cons. Enfin, un peu cons dans le sens genre c'est vraiment pas le best move à haut niveau. Ouais, mais alors par contre, à bas niveau, t'as envie de te friter. Bah oui, parce que vu que t'as la possibilité, en fait c'est ça, c'est le problème de t'as la possibilité, tu le fais en fait. Et vu que dans la majorité des cas de jeux comme ça, de plateau où t'es pas dans la même équipe et tout, bah t'as tendance à vouloir bah, essayer de mettre des taquets dans la nuque du gars quoi.
What the fuck? Bah oui, bah écoute, on a encore eu l'ombrelle tout à l'heure, là, j'ai pas compris ce qu'elle nous a fait la lapine, mais l'ombrelle de la destinée, quoi. Enfin bon. Donc. Ouais, donc c'est ça aussi qui est important aussi, c'est. Après, c'est des mécaniques tellement propres à Armello, malheureusement, on peut pas vraiment le. Tu vois, genre, je veux dire, il y a beaucoup trop de trucs. Par contre, ça m'a conforté sur quelques idées, tu vois, par Ouais. rapport à notre jeu. Et je pense que c'est ça a été quand même une expérience assez, ne serait-ce que un peu instructif dans le terme de gameplay. Je pense que j'ai vraiment besoin de faire d'autres ref hunting si tu veux, pour perfectionner certains types de gameplay, d'équilibrage et tout ça. Mais je pense qu'on a déjà un petit peu une première idée d'approche en fait du mélange des deux. Et en fait, moi en tout cas, ça me conforte dans l'idée que je veux pas de dés dans le jeu en fait. Ouais, pour le coup, les dés, c'est vraiment spécial. Mais tu vois, enfin, moi, je maintiens que c'est pas une connerie. Non, non, Genre, c'est pas une connerie, ouais, mais. c'était de leur part. C'est Mais pas il y une avait connerie. moyen de faire mieux, je pense. C'est Il y ça, avait en fait. vraiment moyen de faire mieux. Et non, je pense pas que le gameplay que j'avais imaginé. Parce que si tu veux, je me suis laissé la porte ouverte à la chose. Mais en fin fond du truc. Bah. Ouais, non, mais pour nous, c'est pas intéressant. Enfin, je Non, pense pas. merci, quoi. En fait, on pourrait, mais ça reviendrait à le faire rentrer avec un chausse-pied, c'est une connerie de ronce. C'est ça. Je vous mets. C'est l'une des rares classes à être capable de changer de condition de victoire en plein milieu de la partie. Je dirais même plus, c'est une classe Lapinus versatilis. Enfin, Versatilus. c'est tout pour moi, bonne soirée. Après, Oui. pour voilà, donc ça pour le coup c'est ça. Mais il y a juste un dernier point et après Ulor, ne t'en fais pas, je te Oui, non, délise. pas de soucis. C'est les différentes types de cartes. C'est-à-dire, on a eu follower, magie, équipement et ruse. En gros. Ouais, déjà, les followers, c'est un deck caché. Voilà. Si vous sortez, il faut que je ferme la porte. Je vais fermer le stream, du coup. Oui, donc il y a des followers qui sont complètement à deck caché. Est-ce qu'on peut considérer que les périls sont des cartes aussi? C'est des cartes, il me semble, c'est des tricks. Est-ce que ce sont des tricks? Je crois pas. De quoi de Les périls. les périls? Alors, il y en a des fois où en fait c'est le roi directement qui les met, et puis il y en a Ouais, qu'on peut c'est mettre quand nous-mêmes. même une carte, non? Mais non, je crois pas que ce soit le. En fait, je crois qu'il y a des cartes périls qui sont propres au roi, il me semble. À moins que je dise une connerie, Poupie, tu me rattraperas. C'est ça le truc, c'est que du coup c'est un deck caché aussi, tu vois. Bah non, parce que tu peux les avoir avec la ruse. C'est les mêmes? Oui, en fait, tu peux mettre ruse et magie en fait à des. En fait, ces deux cartes-là, tu peux les poser sur certaines tuiles pour les piéger en quelque sorte. Sargon a pour passif de voir les cartes avant de les choisir. Oh, excellent! Oh, incroyable. Oh, mais encore personnage de DLC. Tu veux dire que les cartes périls que le roi pose, c'est des cartes périls qu'on peut poser nous-mêmes. Il y en a certains. Enfin, il me semble, moi, en tout cas en Il a 2015, c'est ce quand que même j'avais des remarqué. De quoi? exclusivités. Alors, Non? Poupie nous dit oui. Dit que. Bon, j'imagine que c'est oui pour. C'est la même chose. C'est un bon personnage de Elsa. Ah oui, ça. Bon, oui, bah, fatalement, oui. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il y a un coup à jouer. Il faut Mais. suivre le stream, monsieur. Oui, bon, bah, ça va, hein! Mais comment dire, c'est. Je sais pas. Après, les périls, moi j'ai trouvé ça sympa. Parce qu'en même temps, je voulais aussi rejouer à ce jeu-là pour cette histoire de périple en fait. Tu vois, de terrain miné que tu peux lâcher derrière toi ou prévoir un terrain miné pour le prochain joueur qui va se passer dessus. Moi, pour le coup, moi je pars du principe que tous les. À part les cartes event, tu vois, qu'on avait pour notre jeu là. Le fait de pouvoir poser les mines et tout, je pense que ça devrait être commun en fait à tous les joueurs ou à la classe, tu vois, qui produit ce genre de truc, tu vois. Tu vois ce que je veux Oui, dire? complètement. Donc, y a de ça. La magie. Alors la magie, c'est très. Tu t'anticorruptionnes, tu te soignes. Il y a quoi d'autre?
Ah oui, tu voles. Enfin bref, nous, en Tu vrai, peux blast les. Ouais, tu peux blast. En vrai, il y a de quoi faire en fait dans le deck y magie. a tout. Il y a tout dans la Il y a de magie. tout. Tu peux faire des dégâts, tu peux te déplacer, tu peux te soigner. Bah, tu vois, c'est. Là, tu voles. C'est ça, c'est la magie, moi je la trouve assez fournie, alors que les autres sont assez monotaches, je trouve. Ouais, moi à la fin je prenais que des spells ou des ça. items, enfin, complètement. Le roi s'assure qu'il y a toujours 4 périls chaque nuit d'opposé, selon les accords que le maître de prestige a avec le roi. Il peut monter plus haut 8 périls ou les diminuer. Voilà, c'est. Bon, bah, comme quoi. Comme quoi. Enfin voilà, oui, donc ce qu'on disait, du coup, oui, donc magie c'est assez fourni, t'as tout. T'as du dégâts, t'as du heal, t'as du téléportation, t'as de. Enfin bref, t'as vraiment de quoi faire. Et ruse, bon, c'est vraiment juste, tu essayes de jouer bah, le petit batter, tu vois, qui pose des pièges, qui vole, qui machin. Mais en fin de compte, l'équipement, si tu. Bah, équipement, une fois que t'as tes 3 slots équipés. À moins que tu joues Barnabas là. Enfin Barnabé. Ouais, de temps en temps, l'équipement te heal. Hein. Ouais, tu peux avoir genre une potion, je crois. Oui, des trucs comme ça, mais au-delà de ça. Au-delà de ça. C'est logique aussi. Hein. Oui, c'est logique aussi, mais bon. Bah, en fait, ça devient très vite un deck un peu oubliable si jamais genre les autres te mettent pas des taquets, du genre vous détruisez un équipement aléatoire de l'ennemi. Ouais, voilà, tant que t'es équipé, enfin, une fois que t'as tes 3 slots équipés, tu peux t'en passer. C'est ça, c'est. Après, t'as peut-être quand même plus de chances d'avoir des cartes épées ou boucliers dans les items. C'est ça. J'ai une question, vous avez pigé le concept d'explosion? Non. Tu parles du fait d'utiliser les cartes directement ou les dés qui explosent et du coup ils en fournissent deux. Tu sais, quand les dés là en gros t'as le bon symbole machin pouf, ça carte fait des dés. Effets perçants et réflexion. Ouais, voilà, donc il y a tout ça aussi. Alors, j'avais une carte à un effet perçant. J'étais bien content, j'ai jamais pu l'utiliser. Enfin, je crois qu'elle a jamais été utilisée. Mais... Donc ouais non, enfin on n'a pas vraiment de pigé. Bah perçant, en gros tu outrepasses la garde. Genre en gros genre ce point là il percera la. Ouais c'est ça. Tu infligeras quoi qu'il arrive, je crois, un PV, c'est ça, une connerie dans le genre. Bon après, voilà, ça c'est. C'est. Voilà, en deux games, c'est un petit peu normal aussi qu'on n'ait pas tout pigé. Mais bon, voilà, dans un premier temps, y a aussi cette question-là, tu vois, de perçant, explosion, machin. En vrai, bon, pourquoi pas creuser la question off-stream là-dessus pour voir qu'est-ce que ça donne. Mais après, je vois pas en quoi ce serait vraiment pertinent pour notre jeu, tu vois. Vu qu'on n'aura pas ce genre d'effet-là. Tu vois, parce que ce sera très clair. Moi, j'ai pensé les cartes de héros à être PV, attaque, point, tu vois. Pas avec un système d'armure et de machin, parce que je pensais qu'avec tout le reste qu'il allait avoir à côté, il y aurait déjà assez de quoi faire pour rajouter encore plus une stat, machin, et tout ça, tu vois, sur les cartes héros. Bah, je pense que juste attaque-défense, ça suffit, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Que défense, je crois. C'est-à-dire que des PV, c'est suffisant, et... t'as un bouclier, ça te rajoute 3 de PV et puis c'est tout quoi. Voilà, c'est ça. Les explosions fonctionnent en fonction de selon si vous êtes le jour ou la nuit, si vous êtes maudit ou pur. Putain. Vous avez un nombre d'explosions précis qui se modifie selon votre équipement. Si vous êtes pur, vos wilds explosent et donc vous relancez un dé. Si vous êtes maudit, c'est le symbole fléau. Mais il y a aussi des équipements qui activent des explosions sur des symboles précis, bouclier ou épée par exemple, plus des effets perçants réfléchis. L'équipement peut justifier à lui seul l'orientation de votre victoire. Putain. Complexité de ce jeu est toujours grandissante. Non mais après ça fait sens. Parce que bon. Non, mais au moins c'est intéressant parce que c'est là-dessus où justement tu passes de bah ouais, 3 games c'était rigolo, maintenant je vais le ranger dans un placard et plus jamais le rouvrir. Ah ouais. Bah en fait, ouais, non, il y a plein de trucs à découvrir, il y a plusieurs manières de jouer qui sont peut-être intéressantes. Oui, mais encore une fois, il faut persister dans l'expérience. Et surtout, il faut l'apprendre.
fait. Il faut apprendre qu'il y a des trucs comme ça, il faut aller chercher ces informations. Mais c'est clairement ça, quoi. Mais c'est ça aussi, tu vois, en fait. Voilà, Poupy, on entend bien que le jeu est beaucoup plus complet qu'il n'y paraît, et qu'il y a d'autres, du coup, mécaniques qui se font au fur et à mesure que tu apprends le jeu. Après, nous, notre problème à nous, je sais que je me répète un peu, mais c'était aussi la première expérience, c'est aussi ce qu'on a pu dénicher. Fatalement, oui, derrière, y en a peut-être un ou deux ou les deux qui vont rejouer au jeu derrière là-dessus, et qui vont peut-être regarder ce qui s'est passé, analyser les erreurs de gameplay qu'on peut voir en bas niveau. Mais pour le coup, toute cette histoire d'explosion, je veux dire, il y a tout un délire, quoi. Toujours les dragons. Ouais, genre, redonnez-moi mes feuilles de perso. Là, il faut 99 et ça explose. T'es mort. Bon. Mais tant mieux, hein, si jamais il y a une... Après, concrètement, sur une complexité aussi large, il peut être très intéressant d'avoir des tips de type « Ah bah tiens, tel équipement, il marche bien si tu le combines avec ce genre de carte ou des trucs comme ça. Mm-hmm. » Là, il n'y a rien de tout ça, donc ça laisse pas imaginer une profondeur pareille. Bah après, c'est aussi... après, ça, c'est un truc qu'on pourrait même en parler après plus longuement et qui mériterait même un stream à lui tout seul sur comment tu passes l'information aux joueurs, en fait. Mais on le fait plus anecdotiquement, là, comme ça, en parlant d'un jeu en particulier, ou que, par exemple, samedi, quand tu as présenté comment tu vas faire les premiers pas là, du coding et tout ça, que tu m'avais dit... Bah oui, à ce moment-là, on pourrait en parler. En fait, c'est un sujet qu'on, je pense qu'on va resservir très vite à plusieurs petites doses comme ça, disséminées un peu sur tous les streams, j'ai l'impression, parce qu'il y a aussi quand même comment tu passes l'information au joueur qui est très importante, en fait. Oui, c'est super important. Et là-dessus, à mon sens, Armello, il échoue lamentablement. Oui, toi, en tant que développeur de jeux vidéo... Y a déjà les règles cachées, rien que ça. Les règles cachées. On l'a dit, il y a la Convention de Genève qui a interdit ça. En... les Conventions de Genève. Et au-delà de ça, même en fait sans ça, si on a en fait une complexité de jeu aussi forte, il faut l'expliquer. Mmh. Et il faut donner l'envie d'en apprendre plus sur cette complexité. Là, c'est juste frustrant au début. Après, Poupy, oui, donc je comprends ce que tu es en train de dire. Non, mais c'est parce que en fait, il y a aussi cette histoire du jeu qu'on est en train de faire, slash qu'on va faire aussi. Parce que bon, pour l'instant, voilà. C'est ça aussi qu'on essaye de se retenir. C'est pas le fait que ça soit pré-mâché et que du coup, le joueur, il a une action très limitée en termes d'action à faire. Et que ce soit juste très dirigiste, il n'y a qu'une seule manière de jouer et pas d'autre. C'est pas ça qu'on est en train de dire. C'est que c'est la transmission de l'information. C'est comment le joueur va se l'approprier et comment il va l'utiliser par derrière. Il y a ça aussi, en fait, qu'on analyse par rapport à nous. Bon, voilà, Ulor, pour lui, c'est un nom. La performance de passation d'information. Pour moi, c'est en partie un non, en partie un oui. Dans le sens que, bon, il a réussi quand même, Armello, à accrocher quelques joueurs. Si tu veux. Après, Poupy, tiens, ça m'intéresserait. Tu attends combien de temps en règle générale les games? Enfin, combien de temps tu attends pour rejoindre une partie de 4 personnes qui jouent sur Armello? Est-ce que tu attends longtemps? 1 minute, 3 minutes, 5 minutes, 10 minutes? Enfin, voilà, tu vois ce que je veux dire? Moi, je serais très intéressé de savoir combien de temps tu mets à rejoindre une partie. C'est quand même bien pratique quand même qu'on ait quelqu'un qui joue vraiment beaucoup. C'est super pratique, heureusement que tu es là. Poupidou. Ouais, je me limiterai à Poupi, hein, perso. Ma dyslexie ne m'aide pas du tout. J'aime beaucoup ce pseudo. Oui, il est marrant, ouais. Mais en tout cas, le temps que Poupi réponde. Je pense qu'on a un peu fait le tour de cette première analyse de Ref Hunting, en vrai. Ouais, qui a été assez révélatrice. Ouais. En vrai.
tout cas, perso, ça m'a conforté dans certains choix. D'autres, ça m'a laissé un peu. Peut-être quand même que je réfléchisse un peu plus, en fait. Tu vois? En termes du gameplay, je pense qu'il y a des trucs. En fait, c'est l'expérience Armello en elle-même a permis quand même de vérifier. Tu vois, cette différence de deck et tout, sur lesquels tu pioches pas. Tu vois, il y a un peu de tout ça. Parce que vu qu'on a quand même un système un peu similaire du plusieurs decks en fait où tu pioches tes cartes, tu Ouais, et vois, puis c'est dégagé aussi. c'est ça. Et il y a aussi le nombre de cartes qui est très important en fait. Il faut vraiment qu'on se stabilise en rotation. Si tu vois, Sachant genre on met des que doublons si et on tout. prend Armello, bah en fait on est con, ils ont leur deck d'affiché. Oui. On est ferme. Par contre, c'est quoi? Il te dit pas exactement c'est quoi? C'est les équipements, il y en a 41 cartes. Spell 41. 25, non, 45 pièges, 18 followers, Alors, du coup, Poupidou, je 19. profite des événements de mercredi, je lance des parties mercredi de l'étranger, et le vendredi, je lance des parties vendredi furieux. Le reste du temps, je lance des parties normales. Bref, je suis toujours sur des parties où il y aura potentiellement le plus de monde. Donc, j'attends généralement entre quelques secondes à 3-4 minutes max. Après, il faut choisir l'option désactiver les clans, qui n'est pas expliqué non plus. Bordel de merde, ça signifie. Mon Dieu! Mais il y a beaucoup trop de choses qui ne sont pas expliquées! Bah dites donc, encore des trucs cachés? Que des joueurs qui cherchent sont seuls, les clans sont des joueurs amis et donc qui cherchent en groupe. Dans ce cas, trouver une partie en équipe peut durer 15 minutes. Ouais, ça c'est normal aussi. Ouais. En équipe, c'est toujours plus compliqué de trouver. Ouais, non, exactement. Et franchement, stylé, hein, c'est qu'ils ont quand même une bonne player base hein, pour avoir des parties en Ah oui, mais attends, le matchmaking, il est 3-4 court. heures à 5 minutes max. Bah, il est court quand même, parce que en plus de ça, les parties, c'est. Bon, elles durent combien? D'ailleurs, il faudra qu'on revoie C'est 4 l'extrait. joueurs. Ah bah si on regarde, c'est à peu près 45 minutes une partie. Ouais, quand même. Quand même. Au pif, hein, mais je pense que ça ressemble à ça. Bah, Hein. écoute, ce que je ferais, c'est que je chronométrerais en faisant le Oui, en replay. regardant le replay, oui, ça se fait facilement, mais... Et 45 minutes, c'est à la fois très court et très rapide. Enfin, C'est moi, ça. je suis pas satisfait de la durée de vie. C'est-à-dire que la partie, quand elle se termine, t'es un peu sur ta faim. Donc du coup tu dis que dans mon cas je ne connais personne de ma génération qui joue à des jeux vidéo, je suis donc souvent seul. Alors j'ai presque envie de te poser la question de façon très indiscrète et si tu ne veux pas y Indiscret répondre. ce que tu as demandé, je l'entends déjà et c'est très indiscret. C'est très très indiscret, je suis désolé. D'ailleurs tu as tout à fait le droit de me dire bah non en fait je te réponds pas. Mais c'est juste par curiosité en termes de... Parce que ça fait aussi partie des choix de cible en fait du jeu. Donc du coup, tu as quel âge, Poupie? Ou juste quelle génération? Quelle génération? Oui, en fait, t'es pas obligé d'être précise là-dessus. C'est juste pour avoir une idée, en fait. Je peux être ultra rapide avec le mode rush contre les IA. Je peux faire des parties de 20 minutes. J'aurai. Pour choisir le mode vendredi furieux, les parties durent 45 minutes. Qui Sinon, faut compter plus d'une heure en partie normale. D'accord, ok, Ouais, d'accord. j'imagine. C'est vrai que là, on avait deux IA, donc ça devait accélérer quand même les tours. Parce que nos tours étaient longs pour le coup. Oui, parce qu'il y avait quand même la... C'est ça aussi que j'avais vu dans les critiques de jeu, c'est que les temps de jeu entre joueurs. Jusqu'à Attends, c'est en quelle date déjà? 74, un truc comme ça. Mais ouais, d'accord. Ouais, enfin, ouais, d'accord, je Après la vois. génération. Bah, ouais, je comprends. Enfin, du coup, je comprends que ce soit difficile de trouver des personnes qui jouent aux jeux vidéo de cette génération-là. C'est Ouais, ça, dommage, d'ailleurs. c'est mieux ce qui me semblait. Oui, c'est dommage, parce qu'en plus, ça, c'est un jeu de plateau au final, donc. Bonne Non, on n'a rien dit, on n'a rien dit, on n'a rien dit. Nous n'avons rien dit.
Mais oui, non, mais c'est clair que là, pour le coup. Génération sacrifiée, j'avoue. Ouais, pas de débat politique. Oh, c'est terrible. C'est terrible. Mais en tout cas, je pense qu'on a fait le tour. C'était assez intéressant, en effet. Ouais. C'était assez Mais heureusement que tu étais là, Poupoupidou, en effet. Mais. Autrement, pas, je pense, vécu le test de la même manière. En vrai. C'est ça, c'est. Donc. Tout, tout, tout. Bah écoute, je pense qu'on peut s'arrêter là. En vrai. À moins que tu veux dire un truc. Non, j'ai rien à ajouter de particulier. De toute façon, je pense qu'on pourra refaire un peu des notes à partir du replay. Tu On dis fera pas ça aussi. C'est un signe sur différents de ces jeux. En Il a tout cas. eu raison. Parce que, Oui. après l'explication, ça donne envie d'en savoir plus, hein, c'est vrai. Mais Mais oui, mais le je crois problème, que ne donne pas envie d'en savoir plus, hein, ouais, ça. mais c'est une heure après, tu vois, genre, qui maintient une heure de discussion réellement pour choisir s'il va jouer au jeu ou pas, tu vois, après première impression. C'est surtout qu'il faut avoir quelqu'un qui explique un peu pourquoi ce jeu est bien, parce que le jeu en lui-même échoue à expliquer en quoi il est bien. C'est dommageable. Bah écoute, je pense que ce sera le mot de la fin. Il échoue à expliquer. Il échoue à expliquer. Mais... Non mais je sais pas, je trouve ça marrant. Désolé, hein. En tout cas, bah du coup on va clôturer le stream. Je remercie Merci à tous d'être passés. Yes, ainsi que vous les lurkers et les bots qui ne vous êtes pas exprimés. Mais en tout cas, bah écoutez, là-dessus, on s'arrache. On va aller se reposer et Ulor va pouvoir aller travailler demain. Hein, parce que On Ulor se lève l'espère. tôt. Sinon, je vais me retrouver à la rue et si je suis à la rue, je peux plus streamer. Tu peux C'est surtout plus faire le pas jeu, ouais. d'intérêt dans la rue. J'ai peut-être une idée. Les devs ont peut-être voulu faire un tuto littéraire qui aille dans le sens où le jeu est proche d'une partie du jeu, alors que c'est pas le but d'un tuto. Ça, c'est le leur. Possiblement, mais oui. Bah d'ailleurs, tu sais que c'est leur seul Tout jeu, hein, à League of est Geek, hein. intéressant. Il est intéressant, enfin, il pose bien en fait justement tout ce qui est lore et tout ça. Et c'est juste qu'une fois lâché en dehors du tuto, c'est la débandade totale. Il y a tellement de trucs qu'on nous a pas expliqué ou alors qu'on nous a dit super vite et au final on a déjà oublié au bout de 2 tours. C'est ça. Ce qui fait que. Bah, c'est leur premier jeu, League of Geek, et c'est le seul d'ailleurs, encore à l'heure actuelle, hein, après 5 ans. Ouais, j'ai regardé vite fait sur leur site et apparemment ils ont un jeu non annoncé en cours de production, je crois. Bah, enfin bon. Du coup, bah écoutez, on vous remercie tous et toutes. On se donne rendez-vous samedi. En effet. Et en espérant qu'il y ait des questions qui pop, hein. Il faut vraiment pas hésiter à poser des questions. Bah, en espérant du coup vous voir samedi. Je pense que c'est tout, en fait. Pas besoin d'alanguir la chose. N'est-il pas, monsieur Hulor? Non, en effet, ce sera avec plaisir qu'on vous recevra samedi. Et samedi, du coup, ce sera par contre stream de code, au moins. Je sais pas si tu auras des trucs à streamer aussi en mars. Bah, entre-temps, moi je vais m'efforcer à faire le document le GDD, quoi, et à prendre des refs et tout ça. Du coup, je serai en vocal avec toi, je bosserai sur la chose. Et si jamais j'ai des choses à dire, bah écoute, je te le dirai. Très bien. Et même jamais, je suis en train d'essayer de voir si je peux pas montrer un truc samedi aussi. Mais je pense que samedi, il y a de grandes chances que ça soit du code, hein. Peut-être à la fin, vite fait, on parle de 2-3 trucs en plus, mais voilà.
On va bien voir si jamais j'arrive à produire quelque chose de montrable, enfin d'intéressant du moins pour samedi. On aura peut-être des conclusions un peu plus formalisées sur la veille de Armello aussi. Yes, indeed. Là, forcément, c'est des réactions à chaud. C'est à prendre avec des pincettes. Il y a la frustration du jeu, machin, tout ça. Donc, C'est il faudra ça. rationaliser aussi tout ça dans les conclusions. On Indeed. pourra voir ça samedi, je pense. Instant. Donc voilà. Bah écoutez, sur ce, au En tout revoir. cas, bonne soirée, bonne nuit. Allez, à plus et dormez bien, tous.